c'est la première de Disto Radio, le premier podcast audio de Distorsion. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Le tien peut-être. Le mien. Ouais. Le mien. Quand t'as attendu. Putain, les enculés. C'était donc Christophe Benoît qui parlait là. Merci Christophe. On va peut-être présenter les gens qui sont autour de la table, qui est ronde et qui tourne cette table. Alors déjà, il y a un serpent. Et pour le coup, c'est vrai. C'est vrai, il y a un serpent. C'est vrai. Il y a un serpent sur mes épaules en ce moment même. Il a pas de voix malheureusement. Sinon, il dirait à quel point il serait content d'être là. Et il s'appelle Raoul Reptile. Raoul voilà. Reptile, voilà. Raoul Reptile, le serpent, qui est juste là à côté de nous. Vous aurez peut-être vu sur la page Facebook des photos de certains d'entre nous avec le serpent. Donc, c'est pas une connerie, il est vraiment avec nous, il est mignon. Il voudrait dire un truc, mais il ne sait pas parler. Voilà, donc, sur les épaules qui soutiennent ce serpent sont celles de Haute Boutillon. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça aussi? C'est pas moi de me prononcer alors, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, je pense qu'il y aura un ton un peu moins figé à partir du moment où tu n'auras plus le serpent autour du cou. J'essaye de m'étrangler, en effet. Exactement. À côté de Haute Boutillon, on a Pierre Champlebout et sa barbe magique. Bonsoir. Champli pour les intimes. Oui. Voilà. Elle est un peu moins magique que la dernière fois, non? Je l'ai taillé, fais ça des fois. Il adore tailler, Pierre Champlebout. C'est sa grande spécialité. Le troisième larron, celui qui a des seins. T'as des seins aussi, toi, hein? Tu as des seins? Alors, je l'apprends, mais c'est pas impossible. Laurent Fenoglio. Fenoglio. Ah, c'est gentil de le prononcer correctement, ça fait plaisir. À l'italienne. Voilà. Et merci, moi-même. Bonsoir. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Il a d'ailleurs un paquet de cigarettes avec une de ses photos qu'on aime beaucoup qui disent qu'il faut pas fumer. Encore celle-là, elle est cool, hein. Fumer provoque un vieillissement de la peau. Et avec une photo d'un vieux. Bon, bah, c'est normal. C'est normal d'avoir un vieillissement ouais, quand t'es vieux. La chance, c'est pas celle. C'est pas la plus immonde. Avec les organes dégueulasses. Mais on a encore en souvenir toutes les autres plus immondes. Bah, moi j'ai les poumons cuits. Ah bah ça c'est voilà. Sympa. Ah, un bel exemple. Yakiniku au Japon. Hein. Et donc moi, Rurik, Salé. Alors tous les gens ici font partie de Distorsion. Certains écrivent dedans, certains vont écrire dedans, certains sont gays. Voilà, vous découvrirez très rapidement qui l'est, qui ne l'est pas. Et nous allons parler de plein de trucs. On va essayer d'être un peu moins chiant qu'à la radio ou dans les podcasts habituels. Mais il y a quand même des podcasts sympas. Hein. Toi, t'écoutes des podcasts américains, Aude, parce que toi, tu parles l'américain, ce qui n'est pas notre cas. Yes, I do. Oui, un truc. Faut arrêter de toucher les trucs, non, là, j'aime comme ça. Bien toucher voilà. Des objets, c'est drôle. Ça, c'est spécial pour les auditeurs. J'en ai déjà parlé dans le premier Distorsion en enjoignant tout le monde à lire, donc théoriquement tout le monde m'écoute et je devrais pas avoir à le répéter. Ça s'appelle F This Movie. Et, voilà. Ça veut dire va enculer ce film. Va te faire foutre film. Voilà, c'est ouais. Ça. Et en fait, c'est pas du tout ce que le nom un peu arrogant laisse penser. C'est des mecs qui adorent le cinoche et qui en parlent de manière plutôt intéressante et surtout qui en parlent entre potes, et c'est cet aspect que j'aimais bien. Mm-hmm. Voilà, il y a une vraie. On s'en fout. Voilà. Bon, bref. Simplement, on s'est dit plusieurs fois, en fait, après avoir passé des soirées ensemble, qu'on aurait dû enregistrer notre conversation parce que ça nous avait beaucoup fait rire. Et c'est du coup, vrai. Ça pouvait peut-être faire rire d'autres personnes. On s'était dit que si nous, on trouvait ça drôle, la France entière trouverait ça forcément génial. Voilà. Tous les Français. Tous les Français. Et d'ailleurs, sur ma petite liste. Bah alors, petite liste de trucs préparés. Ouais, j'ai une petite liste. Bon, je croyais qu'on faisait pas des listes. Attends, on était censé faire de l'impro, avoir l'air frais et tout. Et absolument. Puis, on se retrouve avec une petite liste. Attends, celle-là, on va la reprendre. Tu peux redire, on était censé faire de l'impro. Vas-y. Oui, c'est vrai, j'ai une petite liste, Laurent. Ah, on était censé faire de l'impro, non? Bah écoute, ça me surprend ce que tu me dis là. C'est de moins en moins. C'est de moins en moins authentique. Alors, pour présenter un peu les gens autour de cette table, parce qu'il y a des gens qui lisent pas les noms, ils ont raison, souvent les noms sont moches. Aude Boutillon, dans Distorsion X, elle a fait l'interview de Erika Lust, par exemple, la réalisatrice de films de boules, mais d'autres trucs aussi. Dans Distorsion Choc, tu as fait un papier sur le CSA, tu as fait dans Distorsion X aussi l'interview de comment il s'appelle, Harry Lehman, qui est le mec qui joue de Jason dans Vendredi 13 2, 1 Vendredi 13 1 pendant quelques secondes. Baby Jason, pendant 2 secondes, et il a un peu construit sa carrière musicale sur ces 2 secondes-là. Voilà, et on vous en reparlera tout à l'heure. Avec raison, vous allez voir ça. Pierre Champlebout, et ben vous venez de faire un blockbuster de YouTube en la personne, même si c'est pas une personne, on s'en fout d'avoir des couilles, du petit reportage vidéo sur Gérard May, absolument, qui est sur la page YouTube de Distorsion. Donc
avec une interview assez intéressante de Claude Lelouch où il vous insulte à la fin, hein, Pierre Champlebout. Oui, mais ça s'est bien passé, il est sympathique, moi j'ai bien aimé. Voilà. Puis de toute façon, Claude, il est génial, il a toujours défendu le cinéma gore et d'horreur, et donc c'était tout à fait normal qu'il se retrouve président de Gérardmer, bien entendu. Hein. Voilà, et Laurent, alors Laurent, lui, comme Aude d'ailleurs, et depuis les premières heures de magazine Metaluna que nous faisions à l'époque, notamment graphiste, puisque tu fais... Elle va mourir, elle se fait étrangler. Ah mais ouais, mais c'est le serpent qui l'a fait chier. Pourtant, en général, les trucs longs et qui durcissent, ça te dérange pas, mais là, j'avoue que ça t'étouffe un petit peu. Mais justement, pourtant, il n'est pas dans ta gorge. Ah, c'était censé être un peu plus progressif, là. C'est vrai. Début de l'émission, on peut déjà plus parler. Voilà. Tu m'étonnes. Et donc, Lolo, bah, toi, tu fais notamment, parce que c'est pas que, mais tu fais la page VHS avec une illustration de ouf pour présenter un film de taré dans chaque illustration. Voilà, la rubrique que peu de gens comprennent. Est-ce que je la comprends moi-même? Je n'en sais rien. Je la lis pas, donc je sais. Eh oui, ça, je le sais. D'ailleurs, tu fais bien. Parce que peut-être que je la ferais plus si tu la lisais. C'est pas faux. Hein. Contrairement à beaucoup de gens qui disent qu'ils dessinent très bien et qu'ils dessinent mal, toi, c'est l'inverse. Ouais, donc, c'est plutôt bien. J'ai pas le temps de dessiner autant que je voudrais. Alors, voilà. Ah oh, putain, mais c'est, lui aussi doit être gay. Alors, et alors, on va. Bon, moi, je m'occupe de plein de trucs dans Distorsion, mais en fait, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe d'enculés. Hein, on doit quand même le préciser. Et d'enculeurs. Et d'enculeurs, notamment. Mm-hmm. Mais c'est une femme qui parle. Hein. Et d'enculeuses. Ah, la texte quand tu nous tiens. Alors, il paraît, Champly, que tu viens de voir un film. Alors, on va vous parler de plein de trucs, parce que j'imagine que là, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi parle-t-il quel est le sujet de principal? Oui, ça suffit maintenant. Moi, j'ai besoin que ça soit précis. Est-ce qu'on peut peut-être parler des spoilers au cinéma ou de Star Wars? Qu'est-ce que vous pensez de la fin de Star Wars? Putain, mais on n'a rien à foutre de Star Wars. Comment il s'ouvre, ton stylo de merde? Mon stylo de merde, il fait comme ça, regarde. Click, click. Qui crée des systèmes à la con? Qui crée? Alors, on peut quand même vous parler de film. Et on va parler d'un film excellent que tu es le seul à avoir vu, Champly. Donc, c'est le moment où tu vas pouvoir parler tout seul. T'aimes beaucoup. Bonsoir. Tu viens de voir un excellent film. Alors, ça pourrait être un Christophe Honoré, ça pourrait être un film de Yann Moix, ou ça pourrait être un film de Claude Lelouch. Il se trouve que c'est plutôt Samurai Cop 2. Alors Samurai Cop 2, c'est très récent, c'est la suite d'un film hyper culte, enfin en tout cas parmi les amateurs de Z, ça reste une espèce de petite légende d'absurdité surréaliste, dans laquelle il y avait Robert Zdar quand même. Absolument, voilà. Qui devait jouer dans Samurai Cop 2, mais qui est mort avant, malheureusement. Ouais. D'ailleurs, petit moment promo, on est obligé de le dire, mais parce qu'on est... Non pas pour vous acheter le truc, mais si vous l'achetez, c'est quand même très bien. Mais surtout parce qu'on en est très fiers. Robert Zdar était, donc pour tout le monde le sait, mais c'était le maniaque cop avant tout. Mais c'était aussi un méchant dans Tango et Cash. Enfin, c'était une espèce de gros bonhomme costaud avec une gueule pas possible, un menton incroyable. Et Robert Zdar est mort relativement récemment. Et dans le dernier Distorsion Choc, nous avons William Lustig, réalisateur des trois maniaque cop, qui rend hommage spécialement pour nous à Robert Zdar. Voilà. Grâce à Aude qui l'a contacté. Et ça nous fait très plaisir de rendre hommage à ce grand bonhomme disparu. Voilà. Donc il n'est pas au générique de Samurai Cop 2. Juste, petite transition. Justement, je crois que c'est sur la page Facebook de Samurai Cop, parce qu'ils étaient en train de préparer le 2, que j'ai vu une petite vidéo qu'il a tournée vraiment pas longtemps avant sa mort. Oui. Et il est très rigolo dedans. Il est vraiment marrant. Beaucoup d'autodérision. Il déconne pas mal. Et puis... Il donne vraiment l'image d'un mec hyper sympa, quoi. Et il a d'ailleurs fait le commentaire audio du premier Samurai Cop pour le DVD, parce qu'il croyait que l'acteur principal était mort, donc ils ont juste été le chercher lui. Qui est bien plus connu au final que l'acteur principal. Ouais, cool. Oui. Moi j'ai vu une vidéo de lui qu'il a tournée après sa mort, était beaucoup plus chiant par contre. Ouais. Ah, il avait rien à dire, c'était vraiment... Tu sentais déjà que ça, lui, il avait un peu le melon en ce moment. Ouais, le menton était plus pareil non plus. Ouais, voilà, c'était... Les choses avaient changé. Et donc Samurai Cop 2, quand tu nous tiens, j'ai envie de dire. Déjà, est-ce que dedans il y a Baptiste le Caplain? Voilà. Pas vraiment, pas beaucoup. Non, d'accord. Il y a tout le casting vivant de l'original. D'accord. Et Tommy Wiseau, donc. Le réalisateur de The Room, qui est un film culte parce que incompris. Et acteur. Qui joue ici un Yakuza, comme son physique peut le laisser deviner. Le film en lui-même, comment dire, c'est comme le premier était raté et c'est pour ça qu'il était cool. Là, on ne sait pas trop ce qu'ils ont essayé de faire, s'ils ont essayé de faire un film raté ou bien. Enfin, je pense qu'ils ont essayé de faire un truc bien avec des petites blagues, un peu comme les films Grindhouse, les trucs genre Machete et tout ça. Ils ont raté,
mais c'est bien quand même. Mais alors, est-ce qu'ils ont voulu faire un truc raté et qu'ils ont réussi? Ou est-ce qu'ils ont voulu faire un truc réussi et raté? Ou est-ce qu'ils ont voulu faire un truc raté? Voilà, c'est perdu entre tout ça. C'est perdu entre tout ça et c'est pour ça que c'est intéressant, en fait. Est-ce que surtout, ils sont gays? Ça, c'est sûr, ça nous intéresse. Alors, il y a beaucoup de femmes nues et d'actrices de films à caractère pornographique. Donc, c'est peut-être pour nous induire en erreur, ça. Pour les adultes. Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé. Je pense que ce que tu dis serait vachement mieux si on mettait la musique de Vidéodrome derrière. Donc je vais la mettre derrière et je vais l'enfoncer bien profond. Top Manito. Ah, tu peux continuer à parler. Hein. C'est Vidéodrome, Howard Shore, David Cronenberg, Steven Seagal, James Woods. Et non, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir en fait l'acteur qui avait joué le Samurai Cop et qui avait disparu à tel point que tout le monde le croyait mort et qu'il a été obligé de faire une vidéo sur YouTube pour dire en fait je suis pas mort. Ils avaient écrit le scénario en pensant qu'il était mort, donc il voulait faire jouer le rôle du personnage principal par sa fille, et au final lui il s'est dit, en fait il a disparu parce qu'il a vu le premier film, il s'est dit je suis une merde, j'arrête. C'est vrai? Ouais c'est ça, j'ai vu une interview de lui où il explique ça, je me suis dit je veux me cacher. Donc il a disparu. C'est le mec qui a les cheveux incroyables. Ouais, et qui a une perruque dans le premier, dans la moitié du premier, parce qu'ils ont fait des reshoots 4 mois après la fin du tournage, et puis il s'était coupé les cheveux, et que même dans le film, tu peux voir sa perruque qui s'enlève dans le premier. Et il fallait plein d'anecdotes sur le premier, comme le fait que le réalisateur, pour pas payer des comédiens de doublage, a redoublé certains des figurants lui-même. Ouais, tous les figurants ont la voix du réalisateur dans le premier. Là, il n'y a pas de truc comme ça dans le deuxième, on voit que c'est plus soigné. Maintenant, il y a des effets en images de synthèse dégueulasses, mais ce qui fait plaisir, c'est de voir ce mec qui se dit je vais essayer de bien jouer pour une fois et d'être le Samurai Cop. Et en fait, c'est lui l'attraction principale du film. Donc maintenant, il est vieux. Il est vieux. Et est-ce qu'il a des cheveux? On dirait qu'il a les yeux écarquillés en permanence, donc ça fait flipper un peu. Tu veux dire qu'il joue moins bien que dans le 1? Non, il joue mieux, mais des fois il joue moins bien. En fait, il dit qu'on lui a dit de mal jouer des fois, mais il a quand même lui essayé de donner son meilleur. Et c'est ça, le film, en fait, on peut pas dire s'il est bien, s'il est pas bien. C'est un film qui n'existerait pas sans Internet, sans ces trucs de maintenant. Et il est cool à regarder, je veux dire, il est pas chiant, et machin, mais il est pas bon. Mais il est pas mauvais non plus. C'est d'une bonne expérience. Il y a plein d'erreurs qui, à mon avis, sont pas faites exprès. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant. Parce que souvent, c'est ce qu'on reproche au film Asylum, dont on a aussi parlé dans l'Histoire sans choc. Les films Asylum sont des films qui ont, c'est pour faire une petite digression, mais parce que beaucoup de gens en parlent souvent, c'est des films qui ont gagné leur galon parce qu'on disait c'est tellement n'importe quoi que c'en est drôle. Et au bout d'un moment, les mecs d'Asylum ont compris que c'était qu'on les regardait parce que c'était n'importe quoi, parce que c'était drôle. Donc c'est fabriqué dans l'esprit d'être n'importe quoi. Et là, tu perds la spontanéité. Là, il y a un peu ça quand même. Le fait qu'ils aient pris Tommy Wiseau pour jouer un Yakuza, on sent que c'est... Voilà, il y a une scène où il pleure la mort de son père, je crois, où il arrête pas de crier non pendant 5 minutes. On sent que c'est fait exprès, mais il y a d'autres moments où ils ont tenté des trucs, genre le Samurai Cop regarde la télé et tout d'un coup, il a des introspections à la télé, il voit des trucs qui le font réfléchir sur sa vie, c'est complètement raté, mais en même temps c'est ça qui est cool, c'est ces moments-là où ils ont essayé de faire des trucs où ils se sont dit bon on fait de la merde, mais il y a des moments où on va faire des trucs cool, et c'est raté, et c'est ça les meilleurs trucs en fait du film. Ça relève toujours de l'accident en fait. Ouais. En fait moi je sais que le dernier Asylum que j'ai vu, alors c'était un Sharknado, j'ai vu c'était le premier, le 2, le 15, mais j'étais consternée, en fait ça me faisait même plus rire parce que je me disais mais en fait on dépense le temps, l'énergie, l'argent des gens, le talent des fois peut-être, caché, très caché, pour des merdes intersidérales qui se veulent merdes intersidérales. Moi ça me fait plus rire. C'est-à-dire que ça devient simplement une entreprise économique. C'est pour ça là, tu sens que même le scénario, il est chiant le scénario, il part dans tous les sens, ils se sont imaginés une guerre des triades, J'ai même pas compris tous les rebondissements du scénario. C'est pour dire qu'ils se sont dit cette fois-ci on va faire un truc moins léger, on va essayer de faire mieux. C'est raté parce qu'on comprend rien et qu'au final ça nuit un peu à l'intrigue, où on aurait juste voulu un retour du mec. Mais je sais pas, moi c'est ça qui m'a plu en fait, de voir que ils ont essayé de capitaliser sur le succès d'un mauvais film en essayant de garder certains côtés mauvais et en essayant de faire du mieux. C'est raté mais c'est bon. Je sais pas. C'est raté mais c'est bon. Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est marrant, ouais, parce qu'il y a vraiment des films, on va pas rentrer dans les débats hyper pour les gens intelligents que nous ne sommes pas, mais tu vois, il y a vraiment des films qui sont ratés, qui sont insupportables parce que c'est chiant. Et puis t'as des films qui sont tellement ratés que c'est fascinant. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que les gens, et ça vraiment je tiens à le dire, parce que les gens disent ouais, l'espèce de
de tu vois, le truc qu'on sort tout le temps, c'est Plan 9 from Outer Space, Ed Wood, le pire film de tous les temps. Mais quoi ? Ouh là là, mais quoi, quoi ? Bien pire. Dans Plan 9 from Outer Space, il y a des plans qui sont incroyables, il y a des trucs qui sont tellement délirants, que c'est génial, que c'est drôle, que c'est fou, que c'est poétique. Y a, tout le monde y croit. Ils ne sont pas en train de se dire, on fait un Z. Des Z, et Laurent et moi, on en a regardé à l'époque, en 1928-29, quand on avait 40 ans, des films Z insupportable parce que nul de A à Z, justement impossible de c'est regarder. La majorité, on peut dire. Il y en a plein. Et Plan 9 from Outer Space, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant d'arriver à trouver parmi tous ces mauvais films ceux qui ont de la poésie ou ceux qui n'en ont pas. Quoi. Qu'on n'ont pas. Et Samurai Cop 2, visiblement, il a cette poésie peu en suspension que personne ne peut expliquer. Quoi. Ouais, et une espèce d'ambition quand même de faire un truc. Et les mecs essayent. Et même si, enfin, j'ai pas vu le film, mais parce que je pense à un autre notamment que j'ai dans un coin de ma tête. Mais ouais. Les mecs, des fois, essayent de faire un truc et mettent vraiment tous les moyens dont ils disposent et tu le sens. Même si au final, c'est un peu cheap sur les bords que. Alex, c'est archi criard que. C'était quoi ça que t'as dit? Alex. C'est une espèce de formule magique, c'est du vaudou, c'est un truc que t'as dit Alex. Non, t'as dit au moins. Allez. Non, vous allez oublier ce moment. C'est un placement produit pour les déodorants. Oui, je trouve ça très chaud. Je pense que tu viens de lancer la première pause musicale, Annie Cordy. Je comprends pas ce qu'il me dit ce gars. Yo! Yo, quand c'est dit, yo, quand c'est ton, yo, ton, yo, oh, yo! Quand il parle, on dira un sac de noix. Yo, quand c'est dit, on ton, au karaté, il doit faire bobo. Yo, quand c'est dit, on ton, il voudrait me casser les os. Wouah! Je prends alors l'air dégagé. Canari sur une planche à clous. Et j'ai beau faire le rominet, il ne bouge pas et rien ne l'amadoue. Ah. Gili gili. Ça. Ya. Ya quand c'est dit, ya quand c'est ton, yon ton, ya oh, ya. Je comprends pas ce qu'il me dit ce gars. Ya. Ya quand c'est dit, ya quand c'est ton. Jaune, il a sûrement mal au foie. Y'a quand c'est dit on tombe, j'ai la tête comme un berlingot. Y'a quand c'est dit on tombe, et les genoux qui font du yo-yo. Ouah! Ça y est, il va me faire la peau. Je sens déjà que je m'évanouis. Il va me mettre en petits morceaux. Adieu, jamais je ne reverrai Paris. Y'a quand c'est dit on tombe, il fait clic-clac, il est dingo. Y'a quand c'est dit on tombe, Eureka, j'ai compris ses mots. Il voulait me vendre un appareil fantôme. Allons, j'ai envie de dire que ça vous a plu, Annie Cordy, aujourd'hui ou pas. Est-ce que vous trouvez que c'est raconter l'Asie avec beaucoup de finesse hein? Ça m'a rappelé le quartier chinois. C'est vrai? Ouais, les nems, tout ça. Tu rentres des fois, tu fais Yaka City, mais il doit avoir mal au foie celui-là. Annie Cordy, quand même, quoi. Hein, en vente libre, fut un temps. Donc, écoutez, c'est. C'est tout à son honneur et c'est pour ça que nous allons oublier rapidement ce fleuron de la chanson française. Très étonné que ça ne repasse pas plus souvent sur les ondes. Ouais, parce qu'en fait le truc c'est une certaine époque et je trouve que c'est vachement intéressant d'en parler, pas forcément maintenant, mais on peut aussi en parler maintenant. C'est que c'est pas juste
Tu vois, dire que les Asiatiques, ils ont des petits zizi, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui est grave, c'est quand tu le dis avec une espèce de d'aplomb où tu te dis, mais en fait, quelque part, ils peuvent... Tu vois, c'est pas du second degré, quoi. Tu te dis qu'à l'époque, on pouvait vanner les Renois, les Asiatiques, les trucs. Et c'était pas des vrais humains. C'était pas des vrais humains. Dans le cinéma de l'époque, beaucoup, des Belmondo, des De Funès, leur rapport à l'étranger est pas toujours hyper cool, quoi. C'est pas toujours hyper fun. Quand on parle des Noirs, quand on parle des Arabes, quand on parle des trucs... Parfois, c'est vraiment borderline. Mais c'était politiquement correct à l'époque. C'était genre, ah, c'est pas grave. Au bout d'un moment, on a fini par se dire, mais c'est peut-être un peu grave, en fait. Il y a un vrai côté, ils sont pas comme nous, en fait. Mais vraiment. Closer to the table, fucking be hot. Mon serpent m'attache par le cou à un petit coffre. Ça doit être une contrepétrie, ça. Mon serpent m'attache par le cou. Mon serpent m'attache par le cou. Parce que Raoul est en train de se poster sur un coffre qui doit appartenir à un pirate d'un autre siècle. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu disais là sur Raoul qui t'attache par le cul? Est-ce qu'on pourra sortir un best-of des hits, des petits morceaux de Disto Radio? De ce que tu joues, j'entends. Hein. Je sais pas ce qu'on va sortir, mais je sais ce qu'on va rentrer, par contre. Ah. Alors, qu'est-ce que tu disais, Aude-Boutillon? Qu'est-ce que tu me demandais en premier lieu? Si, je disais qu'il y a un vrai côté, ils sont pas comme nous. Mais un vrai côté sincère. Comment ça, quoi. Ils sont pas comme nous? C'est pas une vanne. Bah, en même temps, c'est vrai, ils ont les yeux bridés. C'est vrai. Ces gens qui ont des teintes de peau différentes des nôtres. Voilà. Car nous avons le bon goût d'être tous de la même teinte de peau autour de cette table. Ouais, ouais. Non, moi, je suis noir aujourd'hui. C'est pas faux. Tu parles membrement parlant, hein, bien sûr. Hein. Aussi, oui. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vois qu'on a d'autres sujets incroyables. Qu'est-ce qu'on a comme autre sujet Tiens, une impro. Allez, on n'a pas de sujet, on s'en fout, on parle comme ça. Là. Comme ça, les lecteurs, ils vont dire, ouais, vous faites chier, vous croyez que vous êtes passionnant, vous mettez des enregistreurs, vous parlez de rien, vous croyez que vous êtes tellement génial que même sans avoir de sujet, vous êtes fascinant. Ben oui, on est fascinant. Non, mais c'est vrai. Laurent, t'es en train de hocher la tête en disant... Je suis fasciné par ce que tu dis, ça me laisse sans voix. C'est vrai, je suis fasciné par le fait que tu sois fasciné par ce que je dis. Je trouve ça fascinant. Toi, par contre, ça te permet de conserver une certaine éloquence. C'est normal, parce qu'il y a qu'un city, il y a qu'un t'inquiète, on t'a reparé pour ton... Voilà, Botillon, putain, enfoiré de merde. Putain, moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Petite référence à cette extraordinaire vidéo que si tu l'as pas vue, tu vas la voir tout de suite. Ça s'appelle Disto Invasion Gérard May, c'est sur la page YouTube de Distorsion. Alors, je me dis aussi qu'il y a peut-être des gens qui se disent qu'est-ce que c'est que Distorsion? Moi, on m'a déjà dit, mais c'est quoi Distorsion? Alors d'abord, j'ai roulé un exemplaire de la revue, j'ai enfoncé dans l'oignon de la personne qui m'a dit ça. Mais aussi, peut-être qu'il faut expliquer. Distorsion, c'est fait... par l'équipe, essentiellement l'équipe du magazine Metaluna avant. On sait ce magazine pendant un an et demi. Et beaucoup d'entre nous faisaient des choses diverses et variées dans la presse, le cinéma, la musique, tout ça. Et après, Distorsion est devenue une revue. C'est la nôtre. Cette revue, elle est annuelle pour l'instant. Mais il y a aussi des vidéos sur le net. Mais il y a aussi des partenariats, des soirées, des badges, des t-shirts, des conneries. Peut-être plus de publications par an, qui sait. Peut-être que là, je révèle une information. Et j'ai l'impression que si les auditeurs font la même tête que vous en ce moment, ils sont déjà zappés. Voilà. Ça, je tiens vraiment à dire. Donc, Jacqueline Stallone, qu'est-ce que tu as découvert sur Jacqueline Stallone? Ah, on m'a envoyé un lien incroyable. Figurez-vous que Jacqueline, qui est la maman de Sylvester Stallone, a ce don très particulier de lire l'avenir dans les lignes de l'anus. L'anus, tu veux dire le trou du cul des fesses anales? Lui-même. D'accord. Lui-même. Entouré de charmantes petites stries, vous voyez. Oui, vous pouvez, je vois très bien. T'es sûr? Oui. String alive, quoi. Vous pouvez envoyer des photos en bonne lettre. Je voyais que tu touchais ton pantalon, je me disais, vous voyez ce que c'est, regarde. Alors, t'es un petit peu renseigné sur le sujet, tu sais, c'est là beaucoup de... T'es en train de dire que les gens peuvent nous envoyer les photos de leur trou de balle pour qu'on lise leur avenir. Absolument. On n'a pas dit qu'on savait les interpréter, nous. Est-ce qu'on peut les transmettre à la maman de... Est-ce que vous connaissez Pépé Malin, la BD dans Fluide Glacial, le vieux qui trouve toujours des astuces pour voir des femmes à poil? Parce qu'on dirait une astuce de Pépé Malin pour dire montrez-moi votre trou de balle, je vais vous dire quel est votre avenir. Peut-être que Jacqueline a une obsession pour les anus. Bon, bah moi je vais faire des consultations. Envoyez-nous vos numéros de portable. Vous pouvez un marché qui n'était pas encore exploité, probablement aussi. C'est pas faux. Hein, c'est vrai que le marc de café, tout ça. Moi j'en ai plein de fatigué, quoi.
Non mais ouais, vous pouvez sérieusement hein, envoyer voilà. Des photos haute def de haute def, hein, j'ai envie de dire. De votre anus à Jacqueline qui l'étudiera. Non, à Distorsion qui transmettra à Jacqueline. Oui, voilà, on transmettra, mais on lit aussi dans les seins, je crois. Enfin, moi personnellement, oui. Oui, vous pouvez les envoyer aussi. On veut bien apprendre aux jeunes femmes à lire dans nos sexes aussi. C'est vrai, c'est vrai. Oui. On peut faire des séminaires. Si ça leur intéresse. Faire des inséminations. Des inséminérations. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fond, là, pendant qu'on parle ? Une petite musique. Ah bah tiens, ce qu'on pourrait peut-être mettre, un petit Monsieur Oiseau. Hein, un petit Monsieur Oiseau en fond, c'est toujours une musique d'ambiance, une musique de chambre, un peu Monsieur Oiseau. Hein, c'est toujours très délicat. C'est pas du tout dans l'agressivité électronique. Donc un petit Monsieur Oiseau, mais en fond. Hein, The Church, c'est tiré de son dernier album. Oui, hein, absolument. Monsieur Oiseau n'est autre que Quentin Dupieux, notre ami Quentin Dupieux, que nous avons toujours soutenu. Dans Metal Mana et Distorsion, réalisateur de Long Cops, Réalité et plein d'autres trucs. Alors, il est hyper prolifique en tant que Mister Oiseau et entre deux albums payants, vous pouvez télécharger, mais gratos sur son site, des mini-albums comme ça de 4-5 pistes bien cool, dont d'ailleurs la BO de... Je me plante toujours, Long Cops ou je sais plus... Celui avec le chien ou celui avec pas le chien? Pas le chien. Et donc c'est le Long Cops. Donc c'est, je sais plus. Bon, disons. Voilà, c'est devenu la BO de ce film, mais on pouvait la choper gratos, il l'aimait comme ça. Ah, ça c'est cool. Ouais. Voilà. Ça, c'est cool. Mais ça c'est payant, The Church, donc profitez. Voilà, donc. Mais ça passe en fond là, donc. Donc c'est bien. Ah, j'aime bien, c'est sympa. C'est sympa, hein. Ouais, mais ça, c'est groovy, hein. Ouais, oh là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ailleurs, en parlant de groovy. En parlant de groovation, on peut aussi aborder un sujet intéressant qui n'est pas sans avoir un rapport avec Quentin Dupieux, qui c'est sa barbe magique. C'est je me suis récemment fendu, et c'est très très rare, d'une petite missive. C'est très énervant d'avoir quelqu'un qui se retourne vers son serpent. Je me suis toujours dit, j'aimerais jamais me retrouver avec quelqu'un qui se retourne vers son serpent. Et là, ça m'arrive aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui se retourne vers son serpent. Serpent ! Est-ce qu'ils entendent les serpents quand on leur parle ? Je pense. Alors, le serpent, il est sur le meuble à DVD. Il pointe vers... Very Bad Things. C'est très biblique, ouais. Hein, tout ça. Exactement. Ouais. Il est entre Vertige et Very Bad Things. Il manquerait plus qu'on parle d'une pomme un peu plus tard dans l'émission. On va parler d'une pomme, mais avant il faut faire le. Ouais. Ah non, je voulais paniquer la transition, je suis désolé. Tu voulais paniquer, mais tu paniques, mon ami. Non, mais il faut absolument parler d'un film dont je me suis donc récemment fendu une petite missive pour le soutenir absolument, ça m'arrive très rarement. Mais j'aime bien le faire de temps en temps pour des trucs qui me trouent le fion, une fois de plus, comme dirait Jacqueline. La tour de contrôle infernale. La tour de contrôle infernale, Eric et Ramzy. Eric est un grand pote de Quentin Dupieux et Eric et Ramzy ont tourné avec eux. Ah, bien joué. Bien sûr. Eric et Ramzy ont tourné avec eux, avec Dupieux, pour un film qui est extraordinaire qui s'appelle Steak, qui est vraiment un film délirant que je trouve vraiment fascinant, dans lequel jouent aussi des gars comme Kavinsky. Peut-être Sébastien Tellier, je ne sais plus. Non. Il joue dedans. Si, il doit jouer le mec sur une chaise roulante ou dans une voiture, un peu comme ça. Et aussi, comment il s'appelle le comique qui joue aussi dans Réalité, là, qui fait face à Chabat Jonathan Lambert. Jonathan Lambert, qui est vachement bien dedans. Mmh. Et ça, c'est quoi, hein, quand il grille Ramzy en train de fumer. Et donc, la tour de contrôle infernale, pour moi, je tiens à le dire, est vraiment une espèce de plongée surréaliste dans le surréalisme, l'absurde, l'humour décalé, tellement fou que j'ai rarement vu ça en France. Je n'aimais pas trop le premier film, La tour Montparnasse infernale. Cette fois-ci, c'est Eric qui réalise. Je trouve ça, c'est pas exemple de défaut, mais c'est tellement délirant, tellement fou, tellement jusqu'au boutiste. Au milieu du film, je pleurais de rire et j'ai même dit physiquement dans la salle, j'ai dit à un moment à haute voix, alors j'étais tout seul, j'ai dit putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, ou un truc comme ça. Je crois que tu m'as dit, juste après le film, tu m'as dit putain, mais j'en peux plus, je meurs. Ah oui, je vais mourir, c'est ça. J'ai dit je vais mourir. Parce que je riais tellement que j'en pouvais plus. Et je tiens vraiment à dire, c'est pas, j'aime bien les comédies, mais franchement, 9 fois sur 10 en France, je sors en disant ouais, bon, voilà. Ok, alors soit c'est trop gentil, soit c'est pas drôle. Là, il n'y a pas de trop gentil parce que c'est fou. Et c'est vraiment drôle. Philippe Catherine est incroyable. Deux autres acteurs, dont malheureusement j'ai oublié le nom parce que je ne les connaissais pas avant. Celui qui joue le chef soldat de Eric et Ramzy et celui qui joue le ministre qui vient sur cette prise d'otage sont vraiment super bons aussi. Et toi, Aude Boutillon, tu l'as vu. Et je vais enfoncer ton propre point de vue dans ton fondement sous les yeux de Jacqueline Stallone parce que tu dis que c'est de la merde. Ouais. Non, alors...
Putain, mais j'ai jamais vu ça. Il est possible que ce soit un peu lié au fait qu'une personne que je citerai pas m'a... survendu. M'a surtout un peu soufflé toutes les vannes, ou ah ouais. 90% des vannes, ça avant que je vois pas le film. Moi, ça n'est pas moi, je ne ressemble pas à du caca. Tu peux me filer une bouteille de vin, s'il te plaît, parce qu'on est en train de boire au frais de la princesse. Tiens. La princesse est en haut de boutillon. Il reste un petit muffin aux myrtilles. Que haut de boutillon est fabriqué. Hop. Bon, pourquoi vous aimez pas ? Non, mais honnêtement, je pense sincèrement qu'avoir entendu toutes les vannes et m'être fait les gags dans ma tête, ça a pas aidé. Et surtout, je t'ai tout raconté ? Oui. Ah merde. Et surtout, en plus je te l'ai dit, il y a un moment dans une conversation, je me suis dit, attention, j'aimerais bien qu'il m'en reste quelques-unes quand je vais aller le voir. Je me suis dit, t'inquiète pas, il en reste plein, il en reste. J'ai encore rien dit. Moi, je t'ai pas parlé pendant une heure et demie quand même. Franchement. Putain, la vache. T'es en train de nous dire que non, pendant une heure et demie, c'est que des vannes qui cartonnent. Non. Non mais pour moi, il y a un pic au milieu. Non, mais faites gaffe, hein, parce que là, ça va jouer entre vous. Il y en a un qui va convaincre de le voir. Alors, une autre, peut-être le pas. Le truc, c'est que Rurik, il sait bien raconter les histoires et les vannes. Il donne envie de voir le truc. Mm-hmm. Il me racontait les vannes. Alors, c'est l'histoire. Non, c'est pas ça, attends. Surtout quand il est conquis. C'est moi. Et toi, votre boutillon qui raconte une histoire, c'est. Oui, alors donc le film, parce qu'il se trouve qu'à l'époque médiévale, en 1822, comme en vieux français, on raconte. Bah, ça. Et là, pendant ce temps-là, les gens fument un cigare sur le balcon. Et c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc Rurik. Putain, je fais encore des compliments. T'as alors pas tu réussi me fais à t'effacer complètement la mémoire avant d'aller le voir. Non, mais et du coup... en dehors de ça, le truc c'est que quand il me le racontait, les vannes étaient drôles et l'image que j'en avais, elle me faisait rire, elle était aussi quoi. Et en fait, quand je me suis retrouvée devant le film et les mêmes vannes mises à l'image, pour moi ça marchait plus. Les vannes restaient drôles, mais c'est leur réalisation, leur concrétisation qui ne me faisait plus rire quoi. Non mais là, il y a déjà trop de mots là. Parce tu parles que de quelle vanne hein. Tu l'avais eu avec toute la subjectivité de Rory. Oui, ça doit être ça. Mais non, mais du parce coup, que... tu t'étais fait tout un cinéma. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut pas. Non, spoiler. Mais voilà, tu vois, ça, je sais pas si ça vous arrive des fois, mais d'être devant une scène comique et de vous dire, ouais, c'est marrant, l'idée est marrante, mais ça vous fait pas rire physiquement. Il n'y a pas ce truc en fait. Alors, on va pas spoiler aux multiples auditeurs. Mais on va quand même. Raconter toutes les blagues du film. Est-ce que tu pourrais quand même donner un exemple? Parce que ça serait intéressant que je te réponde sur un exemple. Je pense par exemple aux éperviers. Ah ouais, alors les éperviers, c'est un peu long la scène des éperviers. Attention au spoiler. Non, justement, il y en a peut-être une, voilà. Il y a plusieurs blagues. On va s'en aller, puis on ne fera jamais non, mais ce podcast de toute façon. Je m'empresse de dire que La Tour de Contrôle Infernal, qui est vraiment, je trouve, un film incroyable de folie. Alors ça je suis d'accord. Il n'est pas parfait. Il y a des moments où je me suis dit, ouais, bon, c'est un peu relou. Il y a des moments où c'est pas terrible. Moi, j'aime bien Marina Foy, je trouve que c'est une très bonne actrice. Mais je trouve que dans le film, elle n'est pas du tout au ton du film. Mm-hmm. Elle n'est pas du tout. Elle est Marina Foy, mais tu as l'impression qu'elle est en décalage avec les autres. Les autres sont tous habités d'une espèce de folie délirante qui font qu'ils sont un peu à l'unisson. Et elle est Marina Foy, donc elle est bien, mais elle est Marina Foy comme tu pourrais la voir dans d'autres films. Et je trouve qu'elle ne se fond pas dans l'univers du film. Mmh. Voilà. Moi, je trouve que ça, par exemple, ça ne fonctionne pas. Ça fait caméo, et tu te dis... et ce n'est pas un problème de talent, parce qu'elle est toujours juste. J'ai même vu des films où c'était le seul truc bien, Marina Foy. Mais vraiment, là... Bon, voilà. Et puis, il y a des trucs... Il y a tellement de conneries que tout n'est pas drôle. Par exemple, ça, bizarrement, la bande-annonce est pitoyable. Et je trouve que la bande-annonce met en avant quasiment... Les pires moments du film, quand ils font ouais là je sais plus ce qu'il dit exactement, quand Catherine dit elle a les deux cons là, sortez, puis Eric il fait oh, il connaît nos prénoms. Ouais. Mais en fait je trouve qu'Eric et Ramzy ont vraiment, moi je trouve, beaucoup de talent, mais ils ont rarement des films à la hauteur de leur talent. Et Steak était vraiment la rencontre parfaite entre un réalisateur du décalé absurde ultime et Domecq du décalé ultime. Et là, je trouve que c'est pas mal parce que c'est Eric qui réalise La Tour 2 Contrôle Infernal. Et Eric, il a fait Platane. Et je trouve que Platane est très intéressant. Je trouve qu'il sait utiliser les personnages qu'ils sont, eux, quoi. Il sait qui ils sont. C'est des potes, donc il sait ce qui peut marcher avec eux. Et moi, je trouve que ça marche. Vraiment, encore une fois, j'ai pas aimé le premier. Et j'aime bien celui-là, quoi. Et moi, j'ai une question tout à fait vraiment sincère, puisque je n'ai pas vu Platane aussi. Je fais mon inculte au notoire, mais c'est un lien avec... Je vous ai dit que vous n'avez pas posé de truc là, parce que ça fait beaucoup de bruit dans les enregistreurs. Après. Le mec qui avait le plus bruyamment du monde. mais ouais, t'as raison. Ça,
Est-ce que Platane, ça a vraiment une incidence? Est-ce que ça tourne autour? Le titre a fait partie du truc, en fait, parce que je trouve ça super drôle d'avoir choisi Platane. Ouais. Platane, c'est un mot comme ça. Ouais, il se prend un Platane. Ah, d'accord. C'est le début de la série, ça part de là. Quoi. Qu'est-ce que t'en dis, Pierre Champlebout? Alors, moi, ce que je me demande, c'est Aude a été voir le film. C'est vrai que. Et Aude, qu'est-ce que t'en penses? Non, alors, ce que je me demande, c'est Aude a été voir le film. J'écoute la barbe de Pierre Champlebout. Elle a été voir le film parce que tu lui as conseillé. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller le voir? C'est que Aude, je savais qu'elle allait le voir après et qu'elle allait me conseiller dans le futur de retourner, peut-être quelques jours avant, aller le voir. Donc, sachant ça, je suis allé le voir avant qu'elle aille le voir. Est-ce que tu portes des slips Pierre Cardin? Absolument. Ok. Voilà, donc on vient d'écouter un extrait de la BO de Ghost. Of Mars de John Carpenter. Et c'était, pour ce morceau-là, c'était Anthrax et Buckethead. Ce qui nous permet de dire que dans Distortion Choc, il y a une interview du guitariste rythmique d'Anthrax. Oh là là, c'est bien Scott Ian, voilà. Et dans le numéro 2 de Metaluna à l'époque, souvenez-vous, interview exclusif avec John Carpenter. Donc on vous a dit qu'on a un serpent avec nous, et ce serpent donc est posté sur l'étagère à DVD qui est à côté de nous. Et là, au fur et à mesure de l'interview, enfin de l'interview non, de l'émission, il avance. Et là, il en est où, Laurent? Alors, subrepticement, il avance. Alors, il était il n'y a pas si longtemps de White Bunch, Horde Sauvage, hein, donc un homme de goût, Raoul. Et là, il a fait un stop. Et là, on est un peu en panique. Il a fait un stop devant X-Tro. Voilà. X-Tro, franchement, en film, c'est génial. Mais alors, si ça commence à se mélanger, la réalité, tout ça, c'est assez abominable. Parce que X-Tro, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est, mais c'est du bon dégueulasse. C'est des choses qui laissent des traces. Un petit peu comme le sperme et le caca. Alors oui, un Pierre Champlebout. Ne se lave pas, parce qu'elles sont dans ton esprit. Si tu as vu ce film jeune, tu en ressortiras avec des séquelles. C'est... Non, non, c'est moi, vraiment... Je suis pas encore jeune, donc j'attends que ça m'arrive. C'est vraiment un film très particulier que je conseille à tous les amateurs d'étrangeté un peu flippante. D'ailleurs, en parlant d'étrangeté flippante, j'ai vu récemment
mini-reportage sur Ian Michael Vincent, héros de Supercopter et qui joue dans X-Tro 2. Et oui, X-Tro 2. Putain, c'est très 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 triste. Parce que d'abord, il a l'air d'une nocumène. Il lui manque une jambe et je crois bientôt la deuxième. Ah, parce qu'il avait, je sais plus, la gangrène. Il a eu 46 accidents de voiture, complètement drogué et alcoolique. Ah, t'as l'impression que c'est un vieillard. Et il se souvient à peine, ou en tout cas, il dit qu'il a jamais eu d'accident de voiture. Il est démoli. Alors que dans les années 80... Ah non, mais c'est... franchement, c'en est vraiment triste. J'arrive même pas à en rire. Hein. Ouais. Tu vois, le mec... Non, mais c'est vrai, on pourrait dire... Ah, c'est... Le gars, dans les années 80, c'était le pur beau mec. C'était la star de télé la mieux payée de son époque pour Supercopter. Maintenant, il habite dans une vieille maison. Rien, quoi. Plus rien. Voilà. Il y a Michael Vincent, plus rien. Voilà. Je tiens à dire quand même que voilà, personnage détruit par l'alcool et la drogue, et surtout l'alcool, je crois. Vraiment, vraiment tombé très, 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 très bas. Jambes coupées, bientôt la deuxième. Enfin, voilà, le délire, quoi. J'ai vu un... Alors, pour être tout à fait franc, j'ai jamais été trop fan de Supercopter, de Airwolf. Mais, dernièrement, j'étais tombé sur un film des années 70, me semble-t-il. D'ailleurs, je serais bien incapable de le situer, puisque je me souviens plus le titre, où il était question de gang. Et non, Roy, qui ne me dissuadera pas de parler, je couvrirai son vieux thème pourri. Non, mais voilà, et en fait, il... Je vais couper ce MP3, en plus c'est de très mauvaise qualité. Voilà. Il y a un film des années 70 avec... C'est un marin, un peu bagarreur, il se retrouve lourdé de sa mission, il est obligé de rentrer à terre, ça lui plaît pas des masses, il se retrouve dans un quartier pourri, alors il me semble que c'est le Bronx, et il se retrouve à faire un peu le brawler avec des gangs, donc voilà. C'était et là pour le coup... je l'ai trouvé vachement plus convaincant, vachement que dans Supercopter. Frais. Oui, je pense qu'on était vraiment dans la prime jeunesse. Ouais, c'était mec, le tough guy, quoi. Je le voyais pas comme ça. Ian Michael Vincent, c'est aussi The Mechanic avec Charles Bronson, quoi. C'est vrai. Eh oui. Ah ouais. Bon, non, mais Ian Michael Vincent, il a eu le film remaké avec Jason Statham. Voilà, l'original est mille fois mieux, hyper touchant, d'une grande tristesse, hyper violent et tout. Ian Michael Vincent joue l'espèce de gars que Charles Bronson prend sous son aile et qui s'avère être un gars qui va finir par le trahir, quoi. Et il est génial. Il est vraiment le jeune premier beau mec, bien branlé, qui joue bien. Le gars parfait jusqu'à le milieu des années 80. C'était stratosphérique, ça montait. Il fait un film de surf aussi. Il n'est pas dans le truc de John Milius. C'est qui est l'un des films préférés de Tarantino, comme tous les autres films d'ailleurs, qui sont tous des films préférés de Tarantino. Un peu comme tous les bouquins d'horreur sont les bouquins géniaux signés Stephen King d'ailleurs. Il met. Putain, j'ai jamais lu un truc aussi bien. Stephen King. Il a un tampon comme ça. Alors, puisque je suis un fan hardcore de Stephen King, je vais le défendre un petit peu. Bah, ce cher Stephen King, qui est quand même un mec qui contribue beaucoup, qui ne fait pas que gagner de la thune, il la redistribue aussi. C'est un mec qui participe beaucoup à des œuvres qui caritative, et notamment quand il met une phrase comme pour Clive Barker, elle est connue, ou d'autres auteurs, c'est aussi pour leur donner un coup de pouce, et je trouve ça plutôt sympa. C'est pas pour se faire reluire, c'est surtout pour... Comme ça se trouve, il a bien sûr à reluire parce aussi. Parce qu'il sait, peut-être que Tarantino aussi, je me souviens qu'on avait vu les réalisateurs de Big Bad Wolf, là, qui avaient reçu la phrase de Tarantino, et qui avaient boosté leur crédibilité. C'est con, mais tant mieux si ça et peut les booster faire... booster leur ego dans le bon sens du terme. Parce que ne pas avoir d'ego, ça veut dire se considérer comme une merde. Le problème, c'est pas d'avoir un ego, c'est d'avoir trop d'ego. Et effectivement, d'avoir un gars comme Tarantino, que ces gars, donc c'est les mecs qui ont fait Big Bad Wolf et Rabies, donc les deux réalisateurs israéliens qui sont supposément les premiers à faire des films d'horreur en Israël, c'est ça là. Quand effectivement un gars comme Tarantino dit ouais, Big Bad Wolf c'est mortel, je crois qu'il a dit que c'était. Parce que le mec a l'ego très mesuré, publie sa liste de genre 10 films préférés tous les ans. Tarantino, tu parles. Ouais, Tarantino. Et l'homme qui. Dont ses films commencent souvent par le. Non, mettez le numéro, le quatrième film de Tarantino, ce qui est quand même assez inédit, mais pourquoi coup, pas. Il me semble, si je me souviens bien, que justement Big Bad Wolf c'était son préféré de 2013. De 2013. Et d'ailleurs, il faut enchaîner sur le fait que ces deux mecs viennent de signer pour faire le remake de Death Wish avec Bruce Willis. Voilà. Ah, Bruce Willis, alors, je ne sais pas si ça me réjouit. Ils vont revenir bien fait en disant sympa comme projet, mais Bruce Willis. Parce qu'apparemment, ça se passe toujours très très mal when Bruce is in town. Et d'ailleurs, pendant un moment, c'était censé être Stallone. Et j'aurais bien vu Stallone très facilement jouer le rôle de Charles Bronson.
Le mec hyper street, tu vois, hyper avec son bonnet, Stallone, ça lui va à merveille. Quoi. Beaucoup plus, peut-être. Mais en fait, pour revenir sur Bruce Willis très, très brièvement, moi, bon, en dehors de ses démêlés, son amour de l'argent qui lui fait faire pas mal de conneries, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Moi, je trouve qu'il joue quand même pas très bien, Bruce, et ça fait longtemps. Je dis ça depuis le sixième sens, je trouve qu'il est plein de tics. Voilà, la crédibilité, ça fait longtemps, moi, je l'associe plus à Bruce Willis. Bah, de toute façon, c'est un peu le nouveau Steven Seagal, ses derniers films, ils sortent en DTV direct. Voilà, mais bien avant ça. Quand on met Steven Seagal dans une phrase, il faut avoir beaucoup d'arguments très très bien aiguisés dans le reste de la phrase. Ses films sortent en DTV. Ça, c'est une vérité qu'on peut pas nier. D'ailleurs, j'en profite pour mettre, mais juste derrière ce qu'on dit, on va mettre un petit morceau comme ça pour habiller, c'est le morceau qui s'appelle Prince of Darkness, chanté par Alice Cooper, et il s'appelle pas Prince of Darkness pour rien, parce qu'Alice Cooper joue dans Prince des Ténèbres, donc de John Carpenter, et ce morceau-là, on l'entend aussi au fond, avec, contrairement à Henry Rollins, dont on a vu en partie son premier film en tant que premier rôle. Alors Alice Cooper n'a jamais eu de premier rôle. Voilà. Ah si, il en a eu un dans Monster Dog, qui est un film que j'aime beaucoup. Il me semble que tu le dis dans une interview qui était dans Distorsion. Écoutez, dans l'excellent Distorsion Shock que j'ai lu récemment, il y a une interview d'Alice Cooper. Non, je crois qu'il serait très content d'avoir un premier rôle, mais qu'on ne lui propose pas, tout simplement. Je vois mal Alice Cooper dire « Ouais, un premier rôle, oh, pff, non. » Non, je crois qu'il serait très content, mais on ne lui propose pas. C'est genre soit un caméo comme dans Dark Shadows de Tim Burton, où il joue Alice Cooper, soit un petit rôle, parce que c'est marrant, le père de Freddy dans Freddy's Dead, The Final Nightmare, ou des trucs comme ça. Et c'est pas un mauvais acteur. Dans Suck, le film où il y a justement Henry Rollins, Iggy Pop, Moby, et Alice Cooper joue le roi des vampires, il joue un petit rôle, il est super, il est très bien. Bah, le truc, c'est que, imagine, toi, jeune réalisateur ou pas d'ailleurs, qui prend Alice Cooper, c'est difficile de faire oublier que c'est Alice Cooper, c'est assez problématique. Et pourtant, comme il a un maquillage... Des superstars comme ça. Enfin bon, voilà quoi. J'ai envie de dire voilà quoi. De quoi on peut parler là maintenant? Faut meubler absolument. On peut dire à quel point la partie qu'on a vue du film avec Henry Rollins, c'est qu'il s'appelle donc He Never Died, nous a tellement fasciné qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Henry Rollins, on en parle encore parce qu'il faut toujours vendre Distortion Shock, il faut qu'à la fin on en ait vendu 500 000. Henry Rollins est en interview exclusive dans Distortion Shock. C'est pas rien ça. Hein. Henry Rollins, c'est une putain d'icône hein, quand même. Hein. Effectivement, donc, tu viens de le dire, on a vu une partie de He Never Died. Est-ce qu'on peut vraiment parler du film dans son entièreté puisqu'on n'a pas vu son entièreté? Non. On peut parler du... On en a vu un tiers à peu près, je pense. On peut parler du tiers qu'on a vu, quoi. De l'impression que ça nous a laissé et du fait que ça nous a pas hyper... hyper motivé pour regarder la suite, surtout. On peut pas dire qu'on était accroché à l'écran. Ça parle de quoi? Ça parle d'un mec manifestement très solitaire, donc Henry Rollins, qui reçoit la visite d'une jeune femme dont il apprend qu'elle est sa fille. Bon, après, j'avoue que le reste des enjeux m'a un petit peu échappé. Tu te retournes vers moi et je dis un truc. Pour savoir si t'as un peu mieux pigé que moi. Je peux vous dire que le serpent est toujours à extra. Ouais. Voilà. Ah, mais il kiffe, c'est normal. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que... Il cherche avec Ian Michael Vincent, mais c'est dans le 2 qu'il est. Ah, il ouvre les yeux et dit, t'es enculé. Putain, une espèce d'enfoiré de merde. J'ai jamais vu ça. Ouais, non, mais c'est que Henry Rollins, c'est un mec intéressant parce que Henry Rollins, c'est une icône du punk avant d'être un acteur ou quoi que ce soit d'autre. C'était le chanteur du groupe Black Flag, donc un petit peu contemporain des Misfits, dont le chanteur était Danzig. Il faut toujours parler de Danzig à un moment ou à un autre. On a déjà parlé de Steven Seagal. Ouais, c'est bon. Voilà. Et Danzig et Rollins étaient potes avant, donc quand même icône. Et très 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 rapidement, Henry Rollins a fait des spoken words. C'est-à-dire ces trucs qu'on fait pas vraiment en France. C'est pas du stand-up, c'est des mecs qui viennent sur scène raconter des histoires drôles, pas drôles, à réflexion, philosophique. Mais je trouve ça intéressant comme exercice. En France, c'est un truc qu'on fait pas du tout, ça, le spoken words. On fait du slam maintenant, etc., mais on fait pas. Bref, Rollins, au bout d'un moment, a commencé à faire un peu de cinéma, sûrement un peu par hasard. Il a fait des trucs divers et variés. On l'a retrouvé dans Lost Highway de David Lynch, quand même. Il joue un gardien de prison. Il joue dans Un Tout Allure avec Charlie Sheen, qui est un film très fou et très drôle. Mais je trouve que... Et là, il est crucifié par Dolph Lundgren au couteau dans Johnny Mnemonic, il faut le dire. Et je trouve quand même que... D'ailleurs, vous verrez dans l'interview, qui dit que Keanu Reeves est extrêmement gentil et que Dolph Lundgren est un con. Voilà.
Et alors, je vous laisse découvrir ce qu'il dit sur Steven Seagal, parce qu'il a aussi sa propre expérience. Comme d'habitude, c'est fascinant. Et lisez-le dans une librairie, même sans l'acheter, mais lisez-le, parce que j'ai envie qu'on sache ce que c'est que ce mec. C'est fascinant. Mais tout ça pour dire que Rollins, avec tout l'aplomb qu'il a, l'expérience qu'il a, le visage qu'il a, la musculature qu'il avait, les tatouages, le truc, je trouve que c'est pas un très bon acteur. Voilà. Et je trouve que quand la caméra est là, eh ben, il stresse. Il est tendu, il se dit « Merde, je suis en train de jouer, il faut que je joue ». Du coup, il perd un naturel et il est, je trouve, très rarement convaincant. Dans Lost Highway, à chaque fois, tu dis ouais, « ça va être Henry Rollins, ça va être cool quand même ». Ben non, ça passe pas. Alors qu'Alice Cooper arrive à être plus tranquille, tu vois, plus relâché. Bon, Rollins, il est bon dans un ou deux trucs. Et dans He Never Died, pour revenir au sujet, eh ben, je ne le trouve pas très bon. Voilà. Et c'est son premier rôle, son premier rôle. Et... je puis, trouve tendu. Le souci, c'est que le film, en plus, est pas ouf, quoi. Ce qu'on en a vu, en tout cas. Ah, c'est ça, la grande question. Est-ce que ça tient, ça tient à lui? Au niveau du montage, c'est pas très bien fichu. Il y a des trucs qui arrivent vraiment comme un œuf sur le plat, quoi. Enfin, tu... Comme un œuf sur le plat. je déteste arriver des œufs sur le plat. Un cheveu dans la soupe à l'arrière. Un œuf sur le plat. Moi, j'aime bien les œufs sur le plat, mais je ne suis pas surpris. Imagine, tu t'enfuis, t'as un œuf sur le plat, j'arrive, t'es terrorisé et tu te sauves. Tu mets le feu à ta maison, c'est dramatique, quoi. Mais ok, ça doit être en Alsace. Pas trop les œufs en Alsace. Inadmissible. C'est le climat. comme un œuf sur le plat. Comme un oiseau sur la branche, comme un œuf sur le plat. Comme un œuf sur le plat. Alors, qu'est-ce qui arrive comme un œuf l'histoire des deux œufs qui se retrouvent dans une poêle. Et il y a un œuf, enfin les deux œufs sont là, ils sont en train de frétiller sous la chaleur et tout. Et puis il y en a un qui se retourne vers l'autre, il fait putain, il fait chaud ici et tout. Et l'autre le regarde en disant putain, un œuf qui parle. Peut-être de là vient cette expression. C'est mignon. C'est très mignon. Mais qu'est-ce qui arrive comme un œuf sur le plat? Parce que moi, je trouve ça fascinant. Moi, je propose qu'on continue sur l'œuf sur le plat. Ah ouais, c'est vrai, on va plutôt rester sur les œufs. Racontez-nous, et on finira par autre, puisque à mon avis, c'est elle qui a l'expérience la plus traumatisante avec un œuf. Mais est-ce que dans ta vie, je sais pas, par exemple, t'as fait des mouillettes, t'as mis... un petit peu de piment de cayenne, un truc comme ça, il y en a qui... C'est des métaphores dégoûtantes ou pas? Bon, je pense que tu peux les interpréter comme tu veux. Voilà. Parfait. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de He Never Died. Hein. Ça c'est génial. Tout le monde sait de quoi penser. Et bah c'est marrant. On a justement une chanson qui parle d'œuf. Ça s'appelle Victim. Oh, et c'est chanté par First Jason, qui est donc le mec qui jouait. Mais je déconne pas, qui jouait lui-même. Transition le mec. Il se fout de notre gueule. Il jouait Jason dans le premier Vendredi 13, dans les 3-4 secondes où il sort de la flotte à la fin du film. Et c'est lui qui monte ce groupe Far Jason, je ne déconne pas, c'est dans Distortion X, c'est maintenant Top Magneto, ouais, allez chercher des photos de lui, vous allez voir qu'il joue avec une guitare qui est donc une sorte de guitare avec des touches comme un clavier, en forme de machette géante. Et ouais. Voilà. Oh, allez voir le clip de Victim. Je trouve que ça vient un petit peu comme un œuf sur le plat. Victim. Follow me and swallow me.
s'écouter cette extraordinaire victime chantée par le groupe First Jason, qui est donc interprété. Enfin, le mec qui est au clavier chelou et à la voix, c'est Harry Lehman, interprète du Jason des 4-5 secondes où il apparaît dans Vendredi 13 numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cet extraordinaire morceau ? Alors, ça nous inspire déjà, pour commencer, que dans Vendredi 13, quand on cite les Vendredi 13, la plupart du temps, on dit « Ah, dans le premier, il n'y a pas de Jason ». C'est vrai. Mais d'ailleurs, dans le premier, il n'y a pas de Jason. Effectivement. Ou presque. C'est-à-dire que le mec a construit son entière... si on peut appeler ça une carrière, sur quelque chose, supposément, dont les gens ne se souviennent pas beaucoup. Il a construit sa carrière sur une apparition dans un film dans lequel il n'apparaît pas. En gros. En fait, c'est une des scènes les plus marquantes de Vendredi 13. C'est vrai qu'il apparaît très très peu dans Vendredi 13 numéro 1. Il apparaît 4-5 secondes et ce gars, effectivement, aujourd'hui, ne jure que par ce truc, alors que Kane Hodder, par exemple, qui est l'interprète le plus légendaire de Jason, je ne sais plus dans combien de Vendredi 13 il a été, lui n'a pas fait de groupe qui s'appelle First Jason, quoi. Third Jason, peut-être. Alors, mettons-nous à sa place deux secondes, tu as joué dans un des slashers les plus cultes, la et plupart des gens qui connaissent pas les films d'horreur connaissent au moins Vendredi 13, ouais. C'est difficile, ça doit être difficile d'échapper à ça, c'est-à-dire cette espèce de rendez-vous manqué, qu'il n'y en ait pas un, parce qu'il était quand même dedans, enfin voilà, c'est assez dingue, mais... Il a mis rapidement un terme à sa carrière d'acteur, en fait, pour se lancer dans la musique, et je pense que c'est un très bon musicien, en fait, parce qu'initialement, il n'est pas du tout... Alors, il faut dire, juste avant, que tu l'as interviewé. Oui. Tu l'as interviewé, Harry Lehman, au téléphone, et c'est pour ça que tu peux nous en parler. Ça a duré, je crois me souvenir qu'on a discuté pendant quasiment une heure, ou une heure et demie, peut-être bien, un truc comme ça. Est-ce que c'était 1h34 ou 35? Oui, parce que tu as appelé ton portable, et ça, c'est très con. Oui, quand on a un fixe. Stupide de ma part. Mais on peut lire ça quelque part. Hein? Est-ce qu'on peut lire cette interview quelque part? Est-ce que ce serait dans Distorsion X, par exemple? Dans Distorsion X, 15€ sur le Distor, genre Distor.tv, tu vois, par exemple. Ah, je vais l'acheter. Ah, bah écoute, ça vaut le coup. Merci. Je vous rappelle, le but, c'est 500 000 ventes avant la fin de cette émission. Je tiens à dire que le Harry était super sympa, vraiment cool au téléphone. Moi, je déteste le téléphone. Mais pourtant, Harry Lehman, il aurait pu s'appeler Lehberg ou Lehblum. Ils sont sympas, ces gens-là? Il aurait pu. Est-ce qu'Eddie Cordier a fait une chanson sur eux? Il a peut-être essayé de racheter tout son peuple aussi, hein. C'est peut-être pour ça, la gentillesse. Ah, c'est ça. Mais non, il était super cool, ça avait l'air de lui faire plaisir de parler, il était rigolo, il plaisantait. Mon chat faisait des conneries en même temps, il faisait tomber l'enregistreur, ça le faisait rire. Donc vraiment... Formidable. À l'américaine. Oh, you're my friend, I love cats. Et bah, exactement, donc j'étais... super contente en terminant l'interview, vraiment satisfaite, quoi. Et arrivé là, je lui ai envoyé Distorsion. Ah non, il s'appelle pas arrivé là, c'est Harry Lehman. Lehman, pardon, voilà. Oui, je confonds toujours. Voilà, merci. Je lui ai envoyé Distorsion après en lui demandant tu peux nous envoyer une petite photo de toi avec le bouquin si ça te dérange pas. Et rien. Rien, mais rien. Et là, je vous rappelle qu'il s'appelle Lehman. Voilà. Merci. je lui ai renvoyé un message. On prend et on ne donne pas. Je l'ai relancé pour lui dire « Salut, je veux juste m'assurer que le bouquin s'était pas perdu en route et que tu l'avais bien reçu, quoi. » Rien. Et voilà. Il a disparu à tout jamais. Jamais plus. Exactement. Mais peut-être qu'il a été la victime de quelqu'un et on ne sait pas qui. Peut-être. De son talent. Alors, en tout cas, je vous empresse d'aller voir sur le net le clip de cette extraordinaire chanson « Victime » chantée par First Jason, parce que le clip... encore quand t'écoutes la chanson, ça peut vaguement faire illusion. Tu fais, ah, voilà, un groupe de rock and roll de seconde zone rigolo avec des clins d'œil aux zombies ou machin. Discret, subtil. Discret. Mais quand tu vois les clips, tu te dis quand même, c'est pas mal. C'est voilà. Vrai. Il y a du talent derrière. Un ou deux euros de budget en incluant bien sûr, je sais pas quoi, la pause sandwich. Hein. C'est vraiment impressionnant. Bon, en tout cas, c'est quand même un personnage qui sort de nulle part, Monsieur Lehman. Des gens comme ça, marqués à vie par la vie, hein, j'ai envie de dire. Et c'est là que tu dis qu'un gars comme Robert Englund est d'autant plus stupéfiant, parce que le gars a interprété Freddy, mais tellement d'autres trucs, et il a réussi vaguement à ne pas être coincé que dans Freddy. Mm. Robert Englund, on s'en souvient, dans plein d'autres trucs. Il est dans un ou deux Charles Bronson des années 70 un peu vénère, il est dans la série V... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Un rôle à l'opposé. Ah oui, ah, parce que le serpent maintenant c'est caché. Alors, la progression du serpent. Alors, la progression du serpent. Alors je vois Walk the Line, effectivement. Il a suivi. Il est appuyé sur Abattoir 5. Ouais. Il est juste à côté de True Romance. Et il est vraiment caché maintenant. Il est entre
le haut des boîtes de DVD et le on va dire le sol de l'étagère du dessus. Donc c'est vraiment, il est coincé, il est rangé comme un DVD, voilà. D'ailleurs, en parlant de serpents à regarder, Aude Boutillon, puisqu'on aime bien faire parler les femmes, tu as vu un film produit par la Canon, et tu m'as dit texto, j'ai vu de très bons films, mais là vraiment, je crois que c'est le meilleur. Je dis ça. J'aimerais que tu arrives à soutenir The Apple, qui est donc la pomme. Problème, sans problème. Ah, est-ce que c'est vraiment une production Canon? Oui, c'est un film de Melanie Golan, ouais. C'est Canon. Déjà, je dois dire que c'est mon premier film de 2016, alors j'ai placé la barre assez haut pour le reste de l'année, je dois dire. Est-ce qu'on peut rappeler vite fait pour les auditeurs, et c'est pas un crime, qu'ils ne savent pas ce que c'est que la Canon, ce qu'est que la Canon, c'est donc la compagnie qui est à la tête de laquelle sont Menahem Golan et j'ai oublié le nom. Yoram Globus. Oui. Était, parce que l'un des deux est mort, il a eu cette faute de goût. Voilà, et en parlant de faute de goût, ils sont notamment responsables d'un certain nombre des films qui ont mis en exergue le talent de Chuck Norris. Invasion USA, entre autres. Portée disparue. Invasion USA qui est, je crois, l'un des pires Force. Films d'action que j'ai vu de tous mes temps. Delta Force, c'est pas mal aussi. Oui, parce que c'est pas que c'est mal fait ou quoi, c'est que c'est tellement bête que c'en est vraiment drôle. Ouais. Effectivement, Canon était très connu dans les années 80 pour... soit essayer de rendre hyper bankable et vraiment le transformer en star principale, en star mainstream des gens qui n'avaient pas forcément la carrure comme Chuck Norris ou peut-être Michael Dudikoff, mais aussi récupérer des stars un peu has-been ou en tout cas sur la pente savonneuse comme Charles Bronson dans des Justice dans la ville 12, 13, 32, 47. Ou voir filer de l'argent à des stars qui aimaient l'argent pour leur faire faire de mauvais films comme Sylvester Stallone avec l'excellent Over the Top, voilà. Ou faire Superman 4, Superman, voilà. Ça permettait d'avoir des, en dehors du cinéma puisqu'ils sont quand même sortis en salle, des stars de vidéoclub qui répondaient à un vrai besoin. Ouais. Mais et surtout, ils ont fait un film sur la breakdance bien avant, je sais plus comment ça s'appelle, la franchise qui ne s'arrête Beat jamais. Street. Là. Non. Breaking. Leur film, c'est Breaking. Dans lequel je crois qu'il y a Van Damme d'ailleurs en danseur. Le 2 s'appelle Electric Boogaloo, du coup. C'est ça. Electric Boogaloo étant l'un des deux documentaires sortis sur l'histoire de la Canon qu'il faut absolument voir, celui et The Go-Go Boys, les deux qui sont sortis en même temps. L'un bénéficiant des commentaires de Golan Globus et l'autre... Ils sont complémentaires, non. Ouais. Complètement. Je vous fais remarquer qu'on parle très lentement, mais c'est parce qu'on n'arrête pas de boire, en fait. Hein. Là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à aller très vite. On va finir avec altérer notre prononciation. The Apple, donc. Premier film de 2016 pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire avec Apple du cidre? The Apple, qui s'appelle en français Beam Stars. C'est vrai. Beam Stars, parce que... Bim! Parce que le c'est bim. C'est le tube principal. C'est le bim dans le film, ils n'arrêtent pas de dire c'est le bim! Je ne me souviens plus pourquoi. En fait, c'est le tube. Il lance un nouveau mouvement. Interplanétaire. C'est le bim! Le bim, voilà. C'est avec Catherine Marie Stewart, qui est la petite meuf super mimi et qui est plutôt une bonne actrice, qui est dans The Last Starfighter et. La nuit de la comète aussi. Elle est toute jeune hein, dans The Apple. Mais le film, honnêtement, donc. En fait, la première réflexion que je me suis faite après l'avoir visionné, c'est pourquoi est-ce que ce film n'est pas un film culte qui a sa séance hebdomadaire comme peut l'avoir Rocky Horror Picture Show partout, etc. Franchement... Est-ce que c'est pas le cas? Je pense pas. J'en ai discuté vraiment un peu. Apparemment, aux États-Unis, ça n'a pas ce statut de film culte, alors que pour moi... Il le mérite, quoi, parce qu'on parlait de Z honnête et plein de bonne volonté tout à l'heure. Non, nous parlions de Z honnête, s'il vous plaît, Boutillon. Par contre, moi, j'ai passé un sale moment. Alors, je l'ai vu récemment, je m'y attendais, hein. Enfin, je savais un peu de quel bois c'était fait. Et c'est assez terrifiant, quand même. Hein. C'est un rip-off de Phantom of the Paradise. Alors, complètement. Certes, mais alors... Enfin, je veux dire, faut se les taper, les morceaux. Je suis pas d'accord, parce que franchement, t'as des... Non, mais c'est hyper gnangnan, ça sort la mièvrerie. Moi qui ai pas vu le film, c'est une comédie musicale. Oui, c'est une comédie musicale. Replaçons là, parce que là...
tout dépend d'où tu te classes dans le psychédélisme. Il y a le trip type LSD où tu peux admirer des couleurs chatoyantes, des choses assez incroyables et tout qui va te laisser un peu sur le cul. Et puis, et là quand même, c'est une souffrance. Hein. Même, alors, attention, hein, attention. J'ai pris mon pied devant des Zedars et tout, mais j'avoue que celui-là, j'ai eu un peu de mal. Bah, franchement, quand je le regardais, j'imaginais parfaitement des séances où t'as le public qui chante en chœur, parce que honnêtement, je trouve que les scènes, notamment de danse et de chant, qui font chier des fois, quoi. Clairement, quand tu regardes certaines comédies musicales, tu commences à entendre les prochaines notes, tu dis oh, putain, c'est pas vrai, quoi. Et tu zappes 5 minutes plus tard. Mais là, c'est précisément ce qui m'est arrivé avec Non, mais là, je suis pas d'accord. Il y avait des vraies chorégraphies, tu sens qu'ils ont essayé de faire les choses bien, quoi. Des costumes de ouf, mais vraiment. Là, tu l'as vu, Pierre ? Oui. Alors moi, je l'ai vu, mais celle-là, je pense que c'est la femme des Spice Girls qui est en toi qui parle. Parce que moi, je l'ai vu à une séance organisée par Mathieu Berton, qui a réalisé un film dans lequel Auréxel a joué, n'est-ce pas ? C'est vrai. Deux, d'ailleurs. Deux, c'est vrai, Le Réserviste et Ninja Eliminator 4, les couilles. Vous êtes entendu pour la promo, là ? Ninja Eliminator 4, dans lequel on cite Samurai Cop. C'est vrai, tout à fait. Oui, la boucle est bouclée. Voilà. Formidable. Fin d'émission. moi, c'est pas... je l'ai vu. Merci. Je l'ai vu dans une ambiance plutôt festive, donc en consommant de l'alcool. Voilà. Et non, ça m'a fait chier quand même. Hein. Alors que je suis très client des comédies musicales. Hein. Par exemple, j'aime beaucoup l'épisode comédie musicale de Buffy contre les vampires. Et c'est moi le gay de l'émission. Ah, voilà le coming out que nous attendions en fin d'émission à nouveau. Et non, là, j'ai trouvé ça dégueulasse. Putain, c'est dingue. Je comprends pas. Même en termes de rythme, je trouve que ça se tient. C'est effectivement très mièvre, très... tu comprends pas où ça va, et probablement que non plus. On parlait tout à l'heure de serpent, machin et tout, c'est biblique à fond du ballon. La pomme, l'enfer, tout ça. C'est tout ça. C'est-à-dire avec des sabots. Enfin, un éléphant, j'allais dire, un éléphant éléphantesque, mais les éléphants n'ont pas de sabots. C'est un petit peu comme un œuf sur le plat, j'allais dire. Hein, des sabots éléphantesques, un petit peu comme un œuf sur le plat. Alors, je pense, sans faire mon coming out, j'ai rien contre les comédies musicales, j'avoue que... Bon, alors, évidemment, Fantôme de Paradise, ça c'est un shut-up, ça compte pas. J'ai déjà vécu cette scène. mais voilà, j'ai pas d'a priori, je me suis dit, il paraît que c'est assez hallucinant et tout. Non, je suis... Alors, c'est le summum du cuculapraline, t'as pas de problème. Mais c'est la praline, ça confine au génie. Chocolat. Ah, pas dans ce cas. De toute façon, voilà, c'est très subjectif tout ça, parce que la frontière est tellement ténue entre un truc vraiment naze et un truc vraiment naze que ça touche au sublime. Ouais. Pour moi, non. C'est un rendez-vous. Je m'en résistais vraiment à faire de l'avance rapide sur les séquences de chant parce que ça fait mal aux oreilles. C'est pas très. Mais convainc-nous du contraire, Haute Boutillon. Mais je vous dis, moi je trouve ça assez facile. En fait, je pense pas qu'on puisse... Voir le... Non, oui, parce que vu que tout le monde n'a pas vu le film, on peut pas débattre sans cesse du film. Ça serait intéressant de... Juste peut-être de conclure. Crachons les pépins. C'est-à-dire que vu que voilà, vous êtes à peu près 7 à avoir vu The Apple, donc voilà, genre... Bah, si parmi ces 7 personnes, il y a par exemple 4 auditeurs, j'ai envie de vous dire, voilà, faites-vous votre propre avis. Merci, on est là pour ça. Si vous voulez qu'on vous indique un truc, on vous reprend. Si vous considérez qu'être effrayé c'est tomber comme un œuf sur le plat, vous pourrez peut-être apprécier. En gros, pour un néophyte comme moi qui n'a pas vu The Apple, on va dire que c'est une comédie musicale que certains trouvent entraînante par leur... surprenante par leur ambition, les scènes et tout. Une vraie bonne volonté, une vraie sincérité. Une vraie sincérité. Ça me fait le cynisme, mais là, du coup, je trouvais ça... Voilà, et d'un autre côté, vous avez Laurent, qui peut-être, on a vu d'autres, des comédies musicales, qui n'est pas anti-comédie musicale, mais qui, celle-là, et comme Pierre, la trouve difficilement supportable. Pomme granit pour certains, pomme gâtée pour d'autres. Je tiens à dire qu'on était en train de faire des courses hier et qu'on est tombé sur un truc et je voulais te savoir, Laurent,
Si tu étais assez sensible à Michel et Augustin, les trublions du goût. Est-ce que tu aimes les trublions du goût? Alors j'avoue que j'ai un petit faible pour leur gros pot de crème au chocolat, de mousse au chocolat. Alors est-ce que Michel et Augustin, et là je m'adresse à tout le monde, j'aimerais qu'on essaie d'en débattre, même si ce serait rapidement, est-ce que vous pensez qu'ils sont gays? Écoute, je sais pas. Pierre? Moi je les aime bien, alors potentiellement oui, hein. Il y a des blagues qui me font assez rire sur leur pot de yaourt. Monoprix a tout volé à Michel et Augustin, oui, bien entendu. C'était les précurseurs de la blague sur produits élémentaires. Je trouve que dans la... Alors Monoprix, je tiens à dire, ça c'est absolument pas du tout hors sujet par rapport à Distorsion. Non, pas du tout. Ce qui est génial, c'est que Monoprix, tu vois, il y a 30 ans, tu disais Monoprix, c'était comme... Ah non, il y a 30 ans, tu disais Prise Unique. Exactement. Non, Monoprix, ça existait déjà. Non, Prise Unique. C'est non, mais il y a une Monoprix et plus chose sûre, tu ne disais pas. Je ne sais pas. Non, enfin, je pense. Tu ne disais pas Monoprix. Et moi, quand j'étais petit, ma grand-mère, elle allait faire des courses. Il y avait Maxi Cop, il y avait Félix Potin. Et tu vois, Monoprix, il y a un moment où Monoprix, tu disais ça, tout le monde imaginait, je vais acheter des trucs chez Monoprix, tu t'imaginais que tu allais acheter genre des grandes chaussures pour les grandes chaussettes en laine quand il faisait froid pour les vieilles, des bonnets pour prendre sa douche, enfin tu vois, des trucs de merde que personne n'utilise. Et tout d'un coup, les mecs, ils ont une espèce de magie marketing, ils ont embauché des connards de parisiens bobos arrogants. Ils se sont dit, on va rendre ton truc top branchouille. Et ils ont réussi à transformer Monoprix en Monop, avec ces espèces de vannes comme ça, là, sur les paquets. Et tout d'un coup, Monop, c'était cool d'aller à Monop, alors que deux jours avant, c'était de la merde. Et c'est fascinant. Là, j'étais vraiment impressionné. Hein, parce que je me souviens que Monoprix, c'était l'épicerie de papy-mamie dont t'avais rien à branler. Et tout d'un coup, ça devenait surcool. Et loi du marketing, quoi. Tu dis à tous ces connards de barbichoux, les barbus de 3 jours, qui a eu c'est super cool, j'achète bio, tu leur dis que c'est bien d'aller là, ils y vont. C'est des putains de cyborgs comme dans Monde Ouest, quoi. C'est un truc de ouf. Ça pourrait presque nous faire rebondir sur le sujet d'avant, parce qu'on n'a pas abordé côté hautement corrosif de la critique de la société du spectacle et du marketing, qui sont le fer de lance de The Apple. Ah, intéressant. C'est vrai. Retour au canon et à nos deux amis. Mais je pense qu'on en a suffisamment parlé. Mais d'ailleurs, en parlant de racisme... Quelle transition formidable. D'ailleurs, on va encore parler d'Annie Cordy. Un petit professeur Chauron, le tango des affamés. C'est parti, c'est maintenant, c'est chauve. L'estomac dans les talons, il traîne les pattes comme des cons. Il ne peut pas danser la valse, ils ne sont pas assez vivaces. Heureusement qu'il y a le tango, la danse qui fatigue pas trop. Tango, 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 la danse qui fatigue pas trop. Dans cette ambiance squelettique, c'est nécessaire la musique. Pour que l'équipe digestive oublie le goût du rosbif. Heureusement qu'il y a le tango, la danse qui fatigue pas trop. Tango, 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 gonfle les jouets, tu seras beau. Stop, pas de valse, on a dit. Pour les faire crever, bande d'énervés. Attention messieurs les danseurs, c'est la dernière. Et maintenant, mangez vos cavalières. On vient d'écouter le professeur Chauron qui chantait le tango des affamés. Le professeur Chauron est mort et j'ai une nouvelle pour vous, c'est ce qui nous attend tous. Voilà. On va tous mourir. Ce soir, voilà. Le spoiler. Toi, t'es déjà morte, c'est vrai. Mais je sais pas de quoi on parlait avant, mais je crois que c'était très très inintéressant. Et le professeur Chauron est quand même en couverture de Distorsion Choc, qui est donc le deuxième volume de Distorsion. Je le dis parce que
Je suis très fier que le professeur Chevron soit couvert. Jack Daniel, ça n'avait pas toujours du bien à la façon de parler. Il n'y a pas de citation de marque. Non, c'est vrai, c'est un petit peu comme la farine avec notre ancien président, ça ne l'aidait pas à être tranquille. Le Jack Daniel ne nous aide pas à faire des discours cohérents. Ce que je veux dire par là, c'est que le professeur Choron est en couverture d'une distorsion choc. Putain, c'est dur à dire ce nom. Est-ce qu'on peut l'acheter, ce magazine? Je ne sais pas, écoute, vu que c'est pas un magazine, voilà. Déjà pas en kiosque. Mais Choron, merde les gars, Choron. Est-ce qu'on peut réellement parler de magazine d'ailleurs? Non, parce que c'est vraiment le terme approprié. Est-ce qu'on peut réellement parler? Est-ce que j'ai une idée derrière la tête quand je dis ça? Je sais pas, moi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je sais pas. Moi, je sais qu'actuellement, il y a des choses qui sont plus épaisses qu'un magazine, qui sont plus cartonnées qu'un magazine, qui ne sont pas des books, qui sont des croisements hybrides entre des magazines et des books. Comment ça s'appelle? Il paraîtrait, alors attention parce qu'en breton ça peut aussi vouloir dire puer, enfin du moins je tiens ça d'une bretonne, des mooks. C'est clair. Un mook. Ne pas confondre avec mook. Et mook, ça veut pas dire la mer en. Envoyer une odeur pas très agréable. Mook, ça veut dire la mer en arabe. Qu'on se dirige pas là, l'air de rien, vert. Je crois que c'est le chapitre le plus intéressant. Attendez. Alors, où est-ce qu'on se dirige? C'était une question sincère. En fait, j'en ai aucune idée. Alors, le concept de cette émission, il faut comprendre. Attention, je vous le dis maintenant, nous sommes en mars 2016. Parce que tous les podcasteurs divers et variés vont nous piquer l'idée bientôt. Mais ce sera l'idée de bien placer les choses. C'est une émission qui, au fur et à mesure, est alcoolisée, qui nous permet de parler de moins en moins bien. Voilà, c'est un petit peu le concept. Bientôt, tout le monde le fera en disant « rien du tout, c'est pas vous qui l'avez inventé. » En fait, si, c'est nous qui l'avons inventé. C'est nous. Voilà. Voilà, c'est nous. Et non, mais non, c'est vrai. Ouais. Alors, je tiens à ça, dire que... on a tous une formation d'acteur et on est très bien entraîné à camoufler notre voix et à faire croire qu'on a bu des choses qui se vendent dans tous les magasins. De toute façon, je vois même pas pourquoi on a honte. Maintenant, effectivement, en abuser, c'est pas forcément très très indiqué pour ce type d'émission. Ce n'est pas faux. Alors que d'autres types d'émissions pourraient très bien coller. Voilà. Et je tiens à dire que le professeur Choron un jour a sorti mon zizi. Enfin, moi. Oh merde, je l'ai dit! Le professeur Choron a touché ta bite! Mais oui! Ah putain! J'ai encore une marque dedans sur mon gland. Il a sorti sa tub devant moi. Voilà. Avant de sortir la tienne. Avant de sortir la mienne, voilà. Et tout de suite, il a remballé la sienne parce qu'il a compris que la comparaison était plutôt peu flatteuse à son égard. Mais tout dépend de la température du champagne, en fait. C'est pas faux. Ah. Oui, parce qu'il a mis son zizi dans son verre de champagne. T'as spoilé. C'est... Absolument. T'as spoilé l'anecdote. C'est vrai. Non, mais il n'y avait rien de spécial, effectivement. Non. Apparemment, Willem, dans Distorsion Choc, je le dis à nouveau, nous a révélé que c'était quelque chose qu'il faisait tout le temps. Mais voilà, il a mis sa tombe devant son verre de champagne. Du champagne chaud, voilà. Pour pas non plus... C'est vrai ou pas? Non, c'est des conneries. T'aurais pu m'apprendre des trucs. Et Charlie Schlingo était avec lui ce jour-là. Et Charlie Schlingo était très rigolo. Lui aussi est mort, comme Choron. Et on rend hommage à Choron dans Distorsion Choc. Et je suis très, très heureux et pas peu fier. Quand j'étais tout petit, mon père avait une coupure de journal de Harakiri, original, collé sur son mur, la fameuse une qui les a fait interdire, balle tragique à Colombey, un mort, en se foutant de la gueule du général de Gaulle. C'est quelque chose qui était très insultant, il faisait un clin d'œil à un horrible incendie qui avait eu lieu dans une boîte de nuit, balle tragique à je ne sais plus où, 212 morts, et là, à Colombey, les deux églises, le général de Gaulle était mort, ils ont mis balle tragique à Colombey, un mort. Donc, espèce d'absurdité, clin d'œil à l'horrible incendie qui venait d'avoir lieu. Ce manque de respect envers le général de Gaulle leur a valu à l'époque, dans les années 60-70, une interdiction pure et simple. Voilà, Harakiri. Et mon père avait cette coupure de journal collée sur son mur. Et moi, j'étais élevé en voyant ce truc. Et Choron représentait beaucoup pour moi. Et l'avoir vu sortir sa tub assez minime, il faut bien l'avouer, quelques années plus tard, c'était une première étape. La deuxième étape, ça a été de le mettre en couverture Distorsion Choc. Avec le maquillage d'Alice Cooper de surcroît. Putain, il y a trop de R dans la langue française. Hein. Le professeur Choron. Voilà, tu remarqueras qu'il n'y a aucun R dans Jack Daniel. C'est pas beau. Vous avez le droit ce soir d'appeler Huick, si vous voulez. Faut pas hésiter. Je vous rappelle qui est autour de cet extraordinaire micro à 500 000 dollars Sennheiser que nous possédons ici, digne des plus grands studios de Pink Floyd. Laurent Fenoglio à ma gauche. S'il te plaît, Laurent Fenoglio, voilà, à ma gauche. Sachant que vous savez très bien où je suis situé à table, donc c'est celui de gauche. Celui qui est juste devant moi, c'est Pierre Champlebout. Celui qui est à droite, c'est Aude Boutiron.
Et donc moi-même, c'est Rurik, Salé, et nous avons quelque part, toujours caché dans l'étagère des DVD, Raoul. Du coup, Rurik... Le serpent. Uik. Ah, un petit peu grognement pour ça. Uik, Salé, bien sûr. Autant pour lui. Alors, en 24 secondes, Aude Boutillon a été voir un film de merde, en se disant, tiens, ça va certainement être de la merde, et tu n'as pas été déçu, c'est un film raciste. Qui s'appelle La Chute de Londres. Alors en général, nous, on aime beaucoup les films racistes parce que c'est toujours drôle de se moquer des gens dont on ne peut pas se moquer. Par exemple, on va faire toute la critique en chinois. Alors, La Chute de Londres avec, le mec qui joue dans 3 temps et dans Ultimate Game. Putain, j'allais l'appeler Daniel. Non, on ne comprend pas, tu parles français. Gérard Butler. Voilà, très bien. Alors, à la vapeur. Alors, les Asiatiques ne sont pas trop maltraités par ce film. Est-ce qu'ils ont des petits dédits hein? Ah, bien pur. Mais tu parles comme ça, en vrai. Alors si, ceci étant dit... À une certaine époque où c'était... On le croyait vraiment. On le croyait vraiment, mais il n'y avait pas vraiment de mal finalement, parce qu'on croyait vraiment. Laurent Fenoglio et moi habitions Saint-Denis à la même époque et j'avais un voisin chinois et je déconne pas, et je l'aimais bien ce mec-là, mais j'ai fini par l'aimer. Il avait vraiment un accent comme ça. Exactement cet accent. On vous dit qu'attention, aujourd'hui on a beaucoup de problèmes. Voilà. Vraiment c'était, comme ça, quoi. C'était Alain de la maison au mur qui colle. Exactement. Voilà. Alain de la maison au mur qui colle, c'est exactement ça. Voilà. Et pour situer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, bien que ce soit un petit peu difficile, Saint-Denis, moi je l'ai toujours comparé, là, pour ceux qui sont lecteurs de Stephen King, à Derry. Voilà, Derry, une des villes phares. Des romans de Stephen King, la ville un peu de l'angoisse, mais pas pour des questions sociales un peu racistes comme on pourrait le croire, tout simplement parce qu'il y a une espèce de forme d'électricité, un petit truc un peu, je sais pas, une sale ambiance. Quoi. Voilà. Saint-Denis, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, faut quand même le dire. Alors, j'imagine qu'il y a plein d'autres villes qui ressemblent à Saint-Denis, mais il y a quelque chose. Pour avoir connu quelques villes de banlieue, celle-ci est assez particulière. Ça a un peu l'impression d'être dans un film de Sergio Leone un petit peu tous les jours, avec tout le monde. Quelle que soit la personne que tu rencontres, tout le monde se regarde en chien de faïence. C'est assez particulier, il faut le vivre une fois dans sa vie. Par contre, il vaut mieux pas y habiter, enfin voilà, c'est mon avis. Désolé pour ceux qui y sont encore. Non, c'est vrai. Des fois, il y a des Parisiens, tout goguenards, qui nous disent « Oh, j'ai fait une super affaire, j'ai acheté un 2 pièces, pas très cher, dans une ville pas tout proche de Paris. Hein. » Puis on dit « C'est quoi cette ville ?»« C'est Saint-Denis. »« Ah oui, d'accord, ok. Laissez-moi vous compter, Saint-Denis. » Et là, quand on raconte ce truc, tout d'un coup, l'écran se trouble. Non, mais ouais, je préfère l'envisager sous l'angle fantastique. Il y a vraiment... voilà. C'est pas peut-être mon côté, j'ai envie de voir des choses... qui me plaît un petit peu partout, mais il y a une espèce de tension. Il y a quelque chose qui est pas inhérent aux problèmes qu'on trouve dans d'autres banlieues. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. C'est pas faux ce que tu dis. Mais heureusement. Heureusement. Des fois. Parfois. Gérard Butler est là pour mettre un peu d'ordre. Et justement. Alors, vous pensez vraiment qu'on va revenir sur la chute de Londres. La chute de Londres en deux mots. Deux mots. Ni un ni trois, deux mots. Concom. Ah là, très bien. Okay. La lune. Voilà. Oh, c'est dommage de ne pas avoir laissé. Le... Mais de toute façon, nos amis français, je crois, ne font pas un triomphe box-officesque à ce film. J'ai regardé et c'est tout à leur honneur. Ce film ne fonctionne pas en France. La tour de contrôle infernale n'a pas marché non plus. Ça ne m'étonne pas parce qu'il faut être un petit peu open-minded, je dirais même aware, pour rentrer dans ce truc-là. Et quand on fait un carton aux tuches, ou quand on fait un carton à, comment il s'appelle, le mec en bonnet ou parfois en babouche, Kev Adams, voilà, Kev Adams, dans son adaptation de, je sais plus quoi, là, c'est pas Is No Good, mais c'est l'autre truc, Aladdin, voilà, ouais. Quand on fait 5 millions d'entrées avec Aladdin, merde, quoi, on peut pas faire 2 millions d'entrées pour des trucs bien, c'est pas possible. Peut-être parce qu'on est des vieux cons. Voilà. Ce qui marche dans les stand-up aujourd'hui, c'est quand tu dis, ouais, quand je me branche la dent, des fois, je fais tomber ma brosse à dent. Tout le monde fait, ah, comme moi, c'est génial, j'adore ce mec. Alors que moi, je fais jamais tomber ma brosse à dent. Jamais, et j'ai remarqué, hein, j'ai vérifié. Ouais. Hein, j'ai un matin, t'as vu, non ? Et du coup, je vais dire des trucs sur lesquels tout le monde peut s'identifier, mais parfois on te dit, ouais, mais c'est normal, tu peux pas comprendre ça parce qu'aujourd'hui t'as 20, 25 ans, 35 ans, 40 ans. Mais des fois tu dis, mais tu sais, même quand j'avais 15, 20 ans, j'étais pas comme ça, quoi. C'est pas parce que t'as plus l'âge des gens qui font que forcément tu ne peux plus les comprendre. Quand on te dit par exemple, ouais, mais attends, les années 80, tu comprends pas, mais c'est normal que J.J. Abrams il rend hommage avec Super 8 à.
à tous les Spielberg, les années 80, c'était ça, c'était pour tous les enfants. T'en veux dire, hé les gars, c'était pas forcément ça les années 80 pour tous les enfants. C'était pas forcément un connard à vélo dans les banlieues bourgeoises avec son papa, sa maman qui mange des Kellogg's le matin. C'est pas forcément ça ton idéal dans les années 80. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde n'a pas eu forcément la même jeunesse. C'est pas parce qu'on a tous eu 20 ans qu'à 20 ans, on faisait tous les mêmes conneries. Bien sûr. C'est pas parce qu'à 20 ans, on n'allait pas voir les mêmes films de merde, on n'allait pas forcément écouter la même musique de merde, on n'était pas tous fans des Spice Girls, je ne fais référence à personne autour de cette table, et c'est pas parce qu'on a 20 ans ou 15 ans qu'on est obligé de passer par la case Spice Girls, qu'on est obligé de passer par la case, je sais pas moi, émission de télé-réalité de merde, on n'est pas obligé d'être comme ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas qu'une question d'âge, de trouver que Kev Adams c'est peut-être un mauvais acteur, que certains films qui cartonnent sont des mauvais films. C'est aussi simplement, peut-être simplement, une question de bon sens ou une question de sensibilité culturelle, émotionnelle, différente. Merci. Absolument. Oh putain, il va falloir couper là. À l'inverse, j'ai envie de le voir ce film parce que j'ai tellement entendu tout le monde dire « c'est de la merde », mais la plupart des gens qui le disaient ne l'avaient pas vu, disaient genre « je veux pas le voir parce que c'est de la merde, parce qu'il y a Kev Adams dedans. » C'est un peu dommage de faire et ça. Et bah, je sais pas, je me dis que j'ai envie de le voir. Ça traduit quelque chose. Mais non, mais juste pour le voir, quoi. Écoute, parce que j'ai bien regardé Is No Good avec Michael Youn récemment. Ouais. Et j'ai trouvé le film honnêtement pas bon. Il y avait beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de décors. Beaucoup... Ouais. D'ailleurs, figurez-vous qu'on a Marjolaine Gou qui écrit dans Metal Online et dans Distortion aujourd'hui. Marjolaine Gou qui est par exemple dans Distortion Shock. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le truc sur Carrie Nation. Mm. Okay, tu vas voir pourquoi je te parle de ça. Carrie Nation, c'était une vieille qui était anti-alcool et au début du 20e siècle aux États-Unis, à l'époque de la Prohibition, était pour la Prohibition et elle détruisait les bars. C'était une vieille qui détruisait les bars à la hache, complètement folle, et c'est incroyable, elle a fait un article dessus. Marjolaine Gou a bossé sur les ustensiles et les décors de Is No Good. Et c'est marrant, je regarde le film, je vois le générique de fin, je vois Marjolaine Gou. Je dis, quoi ce délire? Bon, on a une meuf de Distortion qui a bossé sur Is No Good, voilà, faut le savoir. Is No Good n'est pas un bon film, il y a beaucoup beaucoup d'argent, tout est fait pour que ça soit un bon film, pas un bon film. Mais, à ma grande surprise, eh ben Michael Youn est très bien. Eh ben, Gérard Armer, j'ai vu son dernier film, Le Fantôme de Canterbury, eh ben pareil, le film, j'ai même eu l'impression qu'on avait vu une version qui n'était pas finie de monter parce qu'il y avait des faux raccords et des trucs... Les effets spéciaux étaient pas mal, ceux du fantôme, mais Michael Youn était vachement bien en fantôme, rigolo de merde et... Il a même été vachement sympa, malheureusement je n'ai pas de traces de ce moment-là, mais il était vachement sympa. C'est à son honneur. Il y a une chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Michael Youn, il y a un truc qui transpire de ses interviews. Et, c'est sûr. Certainement. Genre, c'est un jambon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mec, quand il fait un film et qu'il se prend des critiques défavorables, enfin voilà, qu'on l'attaque, il réagit comme quelqu'un de concerné. Pas forcément le cas de la plupart des gens qui font ce type de production. Je vois un peu qui fait référence. On dirait qu'il y met ses tripes. Voilà. Donc, pour autant, est-ce que c'est bien? Ça c'est une autre histoire. Mais c'est quelqu'un qui au moins se soucie, qui n'est pas là pour cachetonner, qui a une vision et qui se donne. Voilà. C'est quand même pas forcément super commun. Vous pensiez pas qu'un jour dans Distortion on soutiendrait Michael Youn? Eh ben ça aussi c'est distordu. Voilà, on est capable de soutenir un gars qui est quand même relativement mainstream. Moi j'avoue que j'ai découvert ce mec-là il y a très longtemps. Et j'étais dans un café et je tombe sur Morning Live ou je sais pas. Et je vois ce mec que je connais pas. Et je le voyais complètement en furie. Je me dis mais c'est quoi ce truc quoi? C'est quoi ce mec complètement taré à la télé? Et j'ai jamais revu Morning Live. Mais ça m'a marqué la folie du mec, quoi, l'électricité du mec. Et j'avoue que les films qu'il a fait, en général, j'étais toujours très déçu. Je suis pas trop fan de tout ce qui l'entoure, les clips, le truc très bling-bling et tout. Mais je pense qu'il a vraiment un certain talent. Ouais, voilà. Ses clips avaient... Alors, moi, je suis pas forcément un fan du bonhomme. C'est-à-dire, je déteste pas, je cours pas après. Mais ces clips, je les ai trouvés marrants. Parce que sans plus, ça tapait sur les trucs sur lesquels il fallait taper. Ouais, mais est-ce qu'au bout d'un moment, il ne devenait pas la caricature lui-même de ce qu'il... C'était fait assez finement, je trouve. Est-ce que vous avez jeté un œil à Fatal, son film? Parce que honnêtement, il n'est pas mauvais hein, du tout, Fatal. Le film tiré du personnage qu'il avait fait dans ses clips, enfin, il est...
j'ai eu souvent cette conversation avec plein de gens qui disaient ouais j'avais pas envie de le voir et puis je suis tombé dessus à la télé et en général les gens apprécient ce film. C'est genre le Banner dedans. Je m'en souviens plus. Je me souviens plus de ça, mais je sais que j'ai passé un bon moment tout en. Parce que des potes m'avaient dit, tu vas voir, c'est bien. Et je disais, mais non, c'est de la merde. Et non, c'est divertissant, Fatal, c'est cool. C'est pas un mauvais film. Et d'ailleurs, ça part dans des directions un peu bizarres. Au moment où il se retrouve genre en tyrolien ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des. Il y a des passages un peu bizarres dans le film, mais non, parce que c'est la. Au début, il est au top, et puis il chute, et il doit remonter. Enfin. Un peu Rocky, quoi, mais. Un peu américaine. Mais non, c'est. Mais on avait, il y a quelques années à Gérardmer, on avait été bouffé, on était plusieurs à aller bouffer avec Vincent Dezania. Ouais. Et. Son sidekick. Qui est son sidekick depuis toujours. Et Vincent Dezania, d'abord, honnêtement, très sympa, vraiment. Ce qui n'est pas le cas de tous les gens invités à Gérardmer. Il y a eu même des invités qui me parlaient de l'attitude d'autres invités qui étaient vraiment rigolo. Mais Dezania, très cool, et qui parlait avec beaucoup de respect de Michael Youn. Il disait, écoutez, il m'impressionne beaucoup parce qu'il travaille énormément. Mais un truc de malade. Il disait, des fois, on montait des films ensemble. On était là pour le montage. On partait tard le soir, se coucher. Lui restait. On revenait le matin. Il est encore là, quoi. Les mecs étaient montés tout le temps, quoi. C'est ce qui a l'air de enfin, c'est ce que ça renvoie son ouais. Sa façon de défendre ses films. Ouais, ouais, ouais. On sent que le mec il a envie de donner. Voilà. Et d'ailleurs, c'est difficile de que ses films soient réussis ou pas. T'as envie de lui dire, vas-y, tu vas nous faire un truc qui cartonne un jour ou l'autre, quoi. Vraiment. C'est pas faux. Un autre truc auquel je pense, c'est à Gérardmer. Il était venu juste pour présenter son film. Il a dit en arrivant, moi je viens juste pour présenter le film et je me casse. Et il était, il a même donné rendez-vous. C'était une séance spéciale enfant hein, parce que c'est un film pour enfants, son film Le Fantôme de Canterbury. Donc il a fait des blagues un peu pour les enfants, tout ça. Et il a quand même vanné Mathilde Seigné, qui avait, enfin, il a dit ouais, non mais Mathilde râle tout le temps de façon, enfin genre, c'est le seul que j'ai entendu pendant tout le festival balancer une vanne sur ce jury qui était manifestement pas légitime aux yeux des spectateurs. Il l'a fait, quoi. Il est passé juste quelques heures sur le truc et il a quand même trouvé le moyen de dire que Erhal, elle est chiante. Il y avait un petit pic comme ça, discret, pas trop non plus prononcé pour pas se faire emmerder, mais ça faisait plaisir. D'ailleurs, on y a été avec Christophe Chenalet voir ce film. Christophe Chenalet qui fait partie de Distorsion. Et qui a mangé des sucettes pendant le film, je le dis parce que c'est moi qui lui ai proposé, il voulait pas, mais finalement il a regardé. Attends, je remets les choses en contexte. Tu es assis à côté de Christophe Chenalet pendant le film, ouais. Tu lui proposes une petite sucette. Au début, il me dit il veut pas. Il me dit non, j'essaie d'arrêter. Et puis finalement, au bout d'un moment, pendant le film, il me dit est-ce que t'as toujours tes sucettes? Et là, tu lui dis j'ai toujours ma sucette sur moi, bien sûr. Ouvre grand la bouche, elle arrive. Et il a maté Michael Youn en suçant grave, quoi. D'accord. Pendant tout le film. Et alors, qu'est-ce qu'il a préféré, la sucette ou Michael Youn? Écoute, je pense que ça l'a aidé parce que lui, Christophe, c'est quelqu'un qui râle beaucoup hein, sur les. C'est un peu le Mathilde Seigné de Distorsion. Finalement, il a. Voilà, c'est ça. Ce serait lui, oui. Et ben là, il n'a pas dit que c'était complètement à chier, quoi. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il me dise, oui, c'est complètement à chier? Il a dit. Est-ce qu'il trouvait qu'un tel film, c'était dur à avaler? Je pense, oui. Ouais, non, il a beaucoup dégluti pendant le film. Mais au final, il n'a pas dit que c'était bien, mais il n'a pas dit que c'était mauvais non plus. Il a passé un bon moment, je le sais, je l'ai vu, j'ai senti quand il m'a serré la main sur la coudoir pendant le film. La main. Ouais, j'ai presque envie de dire à recommencer, donc. Ah, absolument. D'accord. Bon bah, et en tout cas, j'ai remarqué un truc, c'est tout à l'heure, on parlait de films racistes. Il y avait quelqu'un autour de nous qui était hyper agité. À partir du moment où on a parlé de gentillesse, de Michael Youn, de machin, elle a arrêté de parler. Alors, Aude Boutillon, est-elle raciste, oui ou non? Ça sera le débat du soir. Le raccourci. On peut peut-être vous laisser réfléchir à ça sur une petite musique, soit... non? Moi, je pense qu'on va peut-être mettre une petite musique. On va mettre un extrait de... Ma bite. Non, on va mettre un petit morceau de Sleazy's. Sleazy's, c'est un groupe... du 9-3, de Saint-Denis, pour être précis. Funky-tiex. Voilà. Alors, Sleazy's, pourquoi ils sont rigolos? Parce que d'abord, ils ont un disque qui est en vente sur distor.tv, qui est notre magasin magnifique. Oubliez Monoprix, toutes ces merdes. Pas besoin de manger. Venez acheter des trucs chez nous. Mais est-ce que nous, au moins, on met des petites blagounettes sur les paquets? Oui, si. Pas suffisant. Oui, bien sûr, oui, on en met plein. Et Sleazy's, en fait, moi, j'ai un groupe qui s'appelle Fugue de la Bronx. On a joué avec eux. Et comme le chanteur des Sleazy's, qui est un mec vraiment hyper gentil, que j'aime beaucoup, est un peu fou,
je me suis dit, leur concert, ça va être de la merde. Non, mais je te le dis, hein, Fred. Hein. Et j'ai vu leur concert me dire, putain, mais c'est pas de la merde du tout, en fait. C'est vachement bien. Non, c'est... Ah, non, en plus, t'étais là. Aussi, oui, t'étais là. C'est très sympa. Et donc, voilà, je tiens à passer le petit disque, le petit morceau d'Esthesis qui s'appelle Creepers. Et Creepers est aussi le titre anglais de Phenomena. Oui. Hein, je crois bien. C'est ça. Et dans le clip, il y a plein d'extraits de trucs dégueulasses, vous le trouvez sur le net, mais en attendant, c'est la version audio parce que vous n'avez ce soir que des oreilles. Inside every one of us, there exists a dark side, pure evil. Qu'est-ce qu'on a écouté là? Ah, c'est Sleazies. On a écouté les Sleazies. On a écouté les Sleazies avec ce titre culte qui est Creepers. Des Sleazies. Bon, moi, je trouve ça vraiment cool ce qu'ils font et je tiens à le redire. Et je tiens à dire aussi que lorsqu'on était hors antenne, haut de boutillon, on va pas tarder à conclure hein, parce que je vois que vous suivez pas. Et haut de boutillon a quand même dit que la chute de Londres. On va quand même faire croire un petit peu qu'on s'intéressait à son sujet. La chute de Londres avait un racisme non assumé. Alors ça, raciste, ça revenait souvent. Hein. J'ai vu des critiques outre-Atlantique où ils disaient vraiment que le film était raciste aussi. Mais tu m'as donné un exemple très intéressant pour exprimer à quel point... Enfin, je le pense pas, mais en tout cas, c'est ce que je vais dire. Je pense que je m'y accroche. Voilà. Pour exprimer à quel point, dans une séquence précise, le racisme évident n'était pas assumé et j'ai beaucoup aimé cet exemple. Alors pourrais-tu me le redonner? Formidable. Ainsi qu'aux millions de personnes qui nous écoutent. C'est un petit peu comme les Oscars, tu sais, ils disent tout le temps écouté par un milliard de personnes. Tu crois qu'il y a vraiment un milliard de mecs qui sont devant leur télé à regarder des gens s'auto-congratuler pendant 4 heures? Sûrement pas. Sûrement pas, mais par contre je ne doute pas une seconde qu'il y ait un million de personnes qui sont en train d'écouter Distorsion. Ah oui, ça oui par contre. Donc, a million person, c'est ça. Tu reflètes tout à fait le nombre d'exemplaires vendus. C'est à fait. Oui, c'est ce moment assez incroyable. Donc, Gerard Butler, qui est chargé de protéger le président des États-Unis, qui est joué par Aaron Eckhart, et les deux trouvent refuge chez d'anciens collègues de Gerard Butler, chargés de les protéger dans un appart reclus de Londres avec un système de sécurité hyper développé, des caméras pointées sur la rue notamment. Il y a une escorte qui est censée venir de l'ambassade pour les extraire de ce point-là et les ramener aux États-Unis. Ils les attendent et puis au bout d'un moment, les collègues de Gerard Butler viennent le voir en disant « Votre escorte est arrivée ». Gerard Butler regarde les vidéos de surveillance et dit « Non, non, c'est pas eux. Regarde,
zooment sur leurs visages. Là, tu vois la caméra de sécurité qui zoome sur des visages, et tu te rends compte que les mecs qui sont en train d'attendre devant la porte sont des espèces de rebeux avec une énorme barbe. Ah, là, Gérard Butler dit, regarde bien, il ne sue pas. Avec le sac super lourd qu'ils sont censés trimballer depuis une heure, il devrait être, tu vois, en nage, quoi. Mais voilà. C'est des Arabes, ils transpirent pas. C'est-à-dire qu'en fait, le mec te dit, regarde. Alors, le sous-texte, c'est des Arabes, mais le mec dit, il ne sue pas, ça peut pas être eux. En fait, voilà. Il est en train de te dire, c'est des Arabes. Quoi. Ils sont pas en train de te dire, ça regarde, peut pas être l'armée américaine. C'est Monsieur Patate qui sonne. Attention, il a pas mis son chapeau. C'est un peu ça, en fait. Mais alors qu'il m'avait dit qu'il le mettrait, donc ça peut pas. Attends, on n'a jamais vu Monsieur Patate sans son chapeau. Enfin, absolument. Cet exemple, c'est énorme ce truc. Il y a que moi que ça fait rire ou quoi là ? C'est énorme l'exemple de Laurent. C'est Monsieur Patate qui sonne. Ah, vous êtes vraiment gays. Décidément, on a réussi à résoudre le problème. Vous êtes tous les trois gays. Voilà. Tous les deux. Laurent n'est pas gay. Non. Pour l'instant. Pour l'instant, il n'est pas gay. Je vais prendre ce jus de fruit. Je vois que Aude Boutillon boit du jus de Mirabelle de Lorraine. T'as les autres, c'est du Jacques Daniel et là, avec sa Mirabelle de Lorraine. Bon, en attendant. Mirabelle non alcoolisé, hein, doit-on le préciser. Ah non, je bois du rhum qui vient. Ah non, c'est pas du rhum. Je bois du rhum qui est fait avec ma mamie. Bon, je tiens à dire aussi qu'on essayait de te réhabiliter, et puis voilà. En fait, pas du tout. Il y a un sujet que tu as abordé tout à l'heure, qui était passionnant, c'est que tu as dit que les femmes développaient l'art de cacher, quand elles allaient aux toilettes en public, de cacher ce qu'elles pouvaient y faire en essayant d'aller très très vite, de manière à semer le trouble. Quand on va très très vite aux toilettes et qu'on revient deux minutes après, tu dis « le mec est allé pisser voilà. ». Et si tu arrives en deux minutes à faire des choses autres que pisser, on pourra éventuellement croire que tu es quand même allé aux toilettes uniquement pour pisser. Absolument. C'est-à-dire, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes, tu nous l'as dit tout à l'heure, hors antenne, et je tiens à le dire, ont développé l'art de cacher qu'elles allaient chier. Voilà. Et j'aimerais que tu nous en parles. Sauf si tu te postes en observation derrière la porte et que t'entends tout flou. Et alors, c'est là que je t'arrête, parce qu'en plus d'avoir appris à aller très vite, nous avons aussi appris à le faire silencieusement. Et à cacher l'odeur. Moi, je connais la technique pour cacher l'odeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque plouf, tu éternues ou t'as une technique de dissimulation. Un jeu. Tu apprends très vite que c'est gay et que ça ne va pas du tout. Okay. Par contre, pour la petite anecdote, Rurik peut confirmer, au Japon, dans beaucoup de toilettes publiques, tu as un petit diffuseur de musique. Pourquoi tu échanges de sujet ? Au Japon, allez, restons en ce moment en Île-de-France et parlons de toi. Est-ce que tu veux dire que seuls les Japonaises font caca ? C'est super. Non mais je trouve ça super intéressant, c'est que là-bas ils ont carrément un petit diffuseur de musique et quand t'appuies ça te permet de mettre un espèce de bruit de l'océan, un bruit de vague, quelque chose pour cacher ou de musique. Ouais mais des vagues avec un bruit au milieu, c'est grillé quand même. Enfin, Non mais je veux dire, est-ce que c'est réellement fait pour ça ou est-ce que c'est la une interprétation? La nature est pleine de surprises. Ça pourrait être pour accompagner pour te détendre, pour t'aider. Parce que alors. Moi, une fois, j'étais chez une amie qui habitait dans un studio et je lui disais « Écoute, j'ai très envie de faire caca, mais après, ça va sentir mauvais, je suis vraiment navré. » Elle m'a dit « Non, mais attends, on a une technique, nous les filles. Tu fais caca et tu tires la chasse juste après. Dès que le caca est tombé dans la cuvette, tu tires la chasse et l'odeur ne reste pas. » Il faut être synchronisé, en fait. Et ben non, mais c'est vrai. Et après, j'ai écouté les nanas qui allaient aux toilettes. Ça arrive. T'entends deux chasses d'eau, c'est grillé, du coup, mais... Nous, ouais, on mais fait attends, pas faut bien qu'elle se recharge la chasse d'eau. Ouais, mais ça va, après t'as le temps de te torcher les fesses. Non, mais entre. Tu veux dire, c'est pas au moment du plouf ? Ouais, dès que ça tombe, hop, tu l'évacues. Tu balances en une fois, en fait. Vous avez pas grillé que Aude glousse depuis tout à l'heure ? Ils ont tout grillé. Ouais, alors je t'arrête, ça veut dire. Laissez-les croire ça, ces bandes de connards, ils ont pas encore trouvé ma technique. Ça pourrait être ça. Alors, quelle envie de te poser des vagues. Je suis obligé d'abonder dans le sens de Laurent, là. Tu vois, mais alors moi j'ai une autre question. Je pense que chacun sa technique. J'ai une autre question plus profonde. C'est pourquoi ? Parce que. Alors que nous finalement on vous considère comme des extraterrestres. C'est-à-dire au premier, tu vois, au moment où on dirait on est trop nombreux sur Terre, on dira bah mettons les extraterrestres dehors. Donc les femmes, voilà. Alors que si on vous considérait comme des êtres humains, eh ben ça serait mieux. Et pour qu'on vous considère comme des êtres humains, il faut qu'on se dise oui vous allez aux toilettes et oui vous faites caca. Parce que vous. Il s'en va, Laurent, déjà. Je ne m'en vais pas. Tu vas essayer la technique ? Je me lève.
Le mec s'en va, il se lève volontairement. Non, moi je fais caca dans ma main et je jette tout par-dessus le balcon. Non, mais oui, tout le monde fait peser sur les nanas une pression de correspondre à l'image de princesse que tout le monde en a. C'est vrai ? C'est vrai. Donc elle doit toujours être parfaitement épilée, attirée à quatre épingles. Il faut jamais qu'il y ait rien qui avec un faut jamais qu'on faut jamais qu'elle puisse rappeler que des fois elle est justement humaine et qu'elle fait des choses d'humain et qui sont pas forcément super ragoûtantes. Voilà. Alors on vient de rire parce que tout cela était ponctué d'un son assez dandy-esque de Laurent qui aspirait. Écoutez bien. Alors, vous avez entendu ? Non, elle dit presque une vieille dame à la Suspiria qui respire dans son entrepôt là-haut, là, tout dans son grenier. Mais sauf que c'est Laurent avec sa machine à fumer des trucs qu'il ne fume pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une cigarette électronique, c'est assez commun maintenant. C'est vrai. Tu passais pour un extraterrestre. Des gens m'ont demandé si je fumais du crack en pleine rue comme ça. Et complètement pas du tout. C'est vrai ? Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Bah, ouais. On va encore reparler d'eux finalement, mais je te rappelle qu'à CJS, deux réalisateurs m'ont dit « Mais dis donc, tu fumes des gras en pleine comme ça, sans déconner. Au vu et su de tout le monde. » Quoi, les gars de Big Bad Wolf ? Absolument. Ah, je me souviens pas de ça. Absolument, du crack liquide, messieurs. Il faut vivre avec son temps. Voilà. Bon, et ben, toutes voilà, ces techniques de... on aurait juste un aperçu sang, des techniques ça, de ninja pour aller faire caca... mais pas la stratégie d'autre bouti. Moi, j'en suis très déçu. Bon, on a abordé le caca et le crack en 10 minutes, ça, c'est très très bien. Il reste encore, je sais pas trop bien, peut-être la pédophilie. Le crack, c'est du caca. Et le... C'est bien racoleur comme il faut, il aurait fallu faire dès le début. Hein. C'est clair. On a rien compris, on a la stratégie marketing de Monoprix. Justement. Alors, je tiens aussi à dire qu'il y a quand même Théo Proupin qui nous a écrit. Théo Proupin étant un lecteur très fidèle, car je crois me souvenir qu'il a commandé... qui date pas d'hier, ce mec-là, il nous suit dans Distorsion, Metaluna, et peut-être même avant. Je crois même qu'il avait demandé des sérigraphies représentant l'échographie de nos mamans respectives. Et donc, c'est vraiment un fan de nos vies. Et ça nous plaît. Théo Proupin, nous t'aimons. Et tu nous as dit, bande d'enculés, virgule. Ça, tu aurais pu t'en passer, l'enfoiré. Tu as dit, est-ce qu'on peut vous proposer des sujets ou des illustrations pour Distorsion, la publication, donc la revue. C'était ta question. Eh bien, et on n'a pas de réponse. Mais si, en tout cas, moi c'est j'ai très une réponse. Sympa. Ah bon, t'as une réponse ? Ne propose pas, envoie directement tes sujets. C'est pas faux. Mais alors envoie tes propositions de sujets. N'envoie pas tes sujets écrits. Parce que des fois, t'as les mecs qui font « Bon les gars, voilà, je vous envoie, ça fait 10 pages, ça vous plaît ou pas ?» Non, les gars, c'est un peu plus compliqué que ça. Une publication imprimée à un certain nombre de lettres, de signes possibles par page. C'est pas extensible, on n'est pas sur le net, on n'est pas un vieux blog, je sais pas quoi. Donc voilà, ça se discute ensemble, mais en tout cas, tu peux tout à fait envoyer directement tes propositions de sujets. Et je tiens à te préciser qu'il y a des gens qui dessinent ou écrivent pour Distorsion, qu'on n'a même parfois jamais rencontrés, qui sont des gens qui ont simplement proposé des bonnes idées. Voilà. Ah là, il n'y a pas de gardien du temple à Distorsion, en fait. Mais au pire, tu peux envoyer une photo de ton anus, on te dira ton avenir. C'est vrai. L'essentiel étant de savoir si tu fais caca et quelle est ta méthode pour cacher aux filles que tu fais caca. Et d'ailleurs, c'est marrant, pourquoi est-ce que les garçons s'est avéré et accepté qu'ils font caca ? Alors que nous aussi, peut-être que nous ne faisons jamais caca, les filles, hein. Ça, c'est un peu ce côté, ça m'énerve. C'est un truc qu'il faut bien dire, c'est quand tu as envie de faire caca et que tu te retrouves dans la situation, par exemple, du studio, où tu sais que les toilettes sont attenantes à l'endroit où se déroule la majeure partie de la soirée, plutôt que de réprimer tes peines pendant toute la soirée et finalement finir dans une espèce d'explosion qui finalement passera jamais inaperçue, oui, je... de chance. T'invite à trouver, à faire entrer ça dans la conversation, à trouver. Alors, moi, quand l'argument je fais, ça pue, et toi naturel, mais surtout ne va pas à. Enfin, ne génère pas le clou du spectacle, le truc qui ne pourra jamais passer inaperçu, où tu vas mettre des coups de tronc dans les chiottes. Et tu vas mettre le bruit de la mer. Tu vas retapisser tout. Enfin, je veux dire, ça ne pourra pas s'effacer des mémoires. À partir du moment où tu sais à peu près introduire un sujet,
soit franco, voilà, c'est la nature. Accessoirement, n'achète pas de housse ou de fébraise, c'est encore plus embarrassant que la vraie odeur. C'est ça. À la rigueur, trouve une bonne excuse pour sortir, va faire caca dans la rue, un truc où personne ne te reconnaîtra. Mais surtout, n'essayez pas de dissimuler un truc qui finalement éclatera au bonjour à un moment ou à un autre. Le truc qui marche pas mal, c'est de faire caca dans la rue avec un masque de Christophe Chenavet. Alors, je me sens obligée de raconter cette anecdote. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Une femme parle de caca, c'est scoop. Ah oui, bah oui. C'était assez génial. Je me baladais avec un de mes meilleurs potes à l'époque et il a été pris d'une envie, mais alors. Insurmontable. De faire caca, ils sont trop du cul anal. Il ne pouvait plus quoi, se retenir. Il m'a dit, je te jure, au-delà, je n'en peux plus. Il faut que j'y aille. Il y a un moment où ça commençait à trottiner. Attends. Mais il commençait à trottiner dans la rue. Et surtout, on était vraiment dans une rue commerçante et avec des. Avec des baraques et tout, hein. C'était pas une petite baraque. Et il marchait là, il commence à trottiner. Et là, trottiner, c'est assez ridicule. Il me regarde et avec vraiment le désespoir dans le regard, il me dit, j'en peux plus. Et là, il baisse son froc et j'ai dit, non, viens, on va se planquer un petit peu plus loin. On a réussi à trouver une planque vaguement derrière des herbes et des trucs. Il était encore à ça de la planque. Oui, ça passait encore. Sinon, il aurait tout lâché. Non, ça passait encore. Et il s'est planqué au milieu de ses feuillages et... Et j'entendais des bruissements de feuilles, des trucs, bon... Et moi, je faisais le guet devant, en fait. Je m'assurais que personne n'arrive. Et j'avais son sac de cours, parce qu'on était au lycée à l'époque. Il met un gros blanc. Au bout d'un moment, je n'entends plus un bruit. Et là, il me fait... Aude, tu peux ouvrir mon sac, s'il te plaît? Alors, je m'exécute. Tu peux me passer une feuille de cours, n'importe laquelle? T'as choisi laquelle, alors? Je crois que c'était des mathématiques. Ah bah voilà, c'est ça aussi. C'est un souvenir qui a beaucoup consolidé notre amitié, il faut savoir. Ah, tu m'étonnes. On a partagé quelque chose de fort et d'intime ce jour-là. Il était vachement plus sympa avec toi, après. Il n'a jamais essayé de te froisser. Alors, si tu m'écoutes, je te conseille de ne pas me faire de coups de pute, parce que là, je n'ai cité aucun nom, mais... Mais elle l'a écrit. Ça peut changer. Là, on a les yeux dessus, ouais, on sait qui tu es. Et on mec, on a vu ta page Facebook. Donc, Facebook, voilà. Et ton anus. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ça serait marrant. Enfin, c'est tellement hypocrite. On fait tous caca. On est tous au courant qu'on fait caca. Toujours. Certains se manquent. Voilà. Moi, je suis pas au courant, je fais caca. Hein. Et pourtant, ça reste compliqué. On aurait dit Pierre Belmar, mais. C'est une belle conclusion. Dans une mauvaise soirée. Voilà. Non, moi, je trouve que c'est une belle conclusion. Le caca, c'est compliqué. Imagine l'équivalent du supermarché qui finalement va générer du caca. Du caca, parce que finalement tu consommes pour faire caca. Tu consommes pour faire caca. Ça c'est une belle réflexion sur la société. T'imagines, tu fais le miroir du Carrefour Market qui est voilà, aujourd'hui grâce à vous on a fait 8 tonnes de merde. Est-ce que tu penses qu'il y a autant de clients? Oui. C'est nul, faudra le couper ça. C'est pitoyable. Moi j'aime bien. Et moi aussi j'aime beaucoup. Ça t'inspire, je vois ça. Non, j'avais une idée d'une chanson, mais c'est très très court. Ça et fait... comment t'es venu l'idée de cette chanson? Non, ça ferait, parce que je sais pas si elle existe vraiment, ça ferait... J'aime le caca qui sort du fion, c'est pour ça que je lis distorsion. J'aime le caca qui sort du fion, c'est pour ça que je lis distorsion. Je pense qu'en l'état où les gens ont une capacité de concentration très réduite, un tube de 20 secondes, ça peut être peut-être l'avenir. Ouais, non, mais moi je pense qu'on devrait en faire un clip. Peut-être. Digestif. Ouais, non, vraiment. Et d'ailleurs, je pense que pour la prochaine émission, on devrait dire aux gens ce qu'on boit, à quel moment, et qu'ils boivent en même temps que nous. Ah, voilà, je vois. Pour être en phase, mais bien sûr. À présent, servez-vous un verre de Lambrusco. Absolument, je suis bien d'accord. Voilà. Alors, pour conclure, Disto Radio, qui est un moment. Alors évidemment, vous n'aurez certainement pas attendu la fin de l'émission pour découvrir comment consommer Disto Radio. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que Disto Radio, c'est pas un podcast où il faut que tu sois concentré sur l'image à base de voilà.
Alors, salut aux indés, je vais vous parler de ma brosse à dents. J'aime bien les brosses à dents parce que c'est bien. En même temps, on a parlé de notre caca. Hein. Alors, salut, aujourd'hui, on va vous parler de notre caca. Oui, mais si, c'est vachement plus intéressant. Si tous les podcasts parlaient de caca au moins. Mais ils n'osent pas. Tu comprends, on se lave les dents, on n'a pas besoin de se laver. On n'est pas obligé de se laver le fion. Et ce que je veux dire par là, c'est que. Tu mets ta brosse à dents sur le lavabo, tu mets pas ta brosse à chiottes. Hein, c'est clair. Et du coup, Disto Radio, c'est un podcast audio. Qu'on peut mettre comme ça en même temps qu'on se balade dans la rue, qu'on fait la vaisselle, qu'on fait un truc, qu'on se relaxe sur le lit, qu'on Est-ce prend qu'on un café. Peut l'écouter en faisant l'amour ? Je sais pas. Ça, vraiment, c'est une question. Mais peut-être que oui. Et il faut choisir le moment caca dans ce cas-là. Mais tu vois, c'est un truc qui accompagne la vie de tous les jours. Le podcast dure 1h30, il dure 2h. Et ben on a 24 heures dans une journée, merde. Et puis tu peux l'écouter en plusieurs fois, c'est cool, c'est la vie. Alors, Disto Radio, c'est la vie. Alors si tu étends ton linge, par exemple, c'est chiant en étant. Enfin, moi, ça me rend fou. Je trouve toujours un truc à faire pendant que j'étends mon linge. Et ben ça peut être le moment. Alors, moi, si on peut l'écouter en faisant caca, je propose qu'on fasse pour la prochaine émission régulièrement des bruits de prout pour que les gens puissent dire hein, c'est les cons de Disto Radio, c'est pas moi. Du coup, il faudra qu'on parle à chaque fois de caca. Alors, bah ouais, et en mettant en abîme d'ailleurs, on peut d'ailleurs enchaîner sur le fait que sur distorsion.tv, qui est le site officiel de Distorsion, avec plein de trucs, dont la vidéo Disto Invasion Gérardmer, jamais parlé comme ça, espèce de pays d'enfoiré de merde. Il y a aussi une fonction tout en haut qui s'appelle le shaker, le titre shaker, et le titre shaker est une extraordinaire création. Sur laquelle vous pouvez cliquer sur distorsion.tv et apparaît un bonhomme avec des lunettes à la Bootsy Collins qui vous propose, shaker à la main, de créer des titres de films Z ou bis imaginaires. Mais attention, ce sont vraiment des films, des titres aléatoires, vous n'aurez jamais deux fois le même, alors c'est vraiment que vous êtes maudit. C'est un algorithme. C'est un script. Et donc, quand on va en faire quelques-uns comme ça, là, dans Disto Radio, histoire de voir. Si on appuie sur Shake, le bonhomme nous trouve Demon Candidate. Alors Demon Candidate, tu t'en souviens, on l'avait vu en VHS, ça devait être en 91 ou 92. On l'avait trouvé au rayon poulet à Carrefour. Ouais, je me souviens. Et en fait, c'était plutôt pas mal, c'était assez violent, il y avait même des scènes, je me souviens qu'à l'époque ça avait fait scandale, parce que les gens se demandaient si c'était des meurtres réels ou pas. Des meurtres de poulet, bien entendu, hein. Et il se trouve que c'était des meurtres réels. Attends, tu veux dire que le mec qui a trouvé la cassette chez Carrefour l'a mis intentionnellement, eu égard au sujet du film, dans le rayon poulet? Ouais, je crois que ouais, en fait, en clin d'œil le truc. Putain, c'est incroyable. De la même façon qu'un gars aurait pécho le DVD à 1,99 de Louis de Funès Hibernatus et l'aurait mis dans un frigo au rayon surgelé. Oh, c'est incroyable. Un peu le même délire. Putain, on est tombé sur un espèce de cinéphile de supermarché qui a su tout de suite trouver la bonne référence par rapport au sujet. Absolument. Et d'ailleurs, ceci nous amène à la deuxième création, Furious Paradise. Alors ça, c'était un projet avorté dans lequel Hulk Hogan devait jouer, je me souviens. Et finalement, il a dit, bon, c'est trop Z pour moi, je vais plutôt aller faire Super Nanny. Qui est beaucoup mieux, et Furious Paradise c'est donc tourné avec 2-3 mecs musclés, mais pas du tout. Mais alors, en fait, c'est quoi ? Il faut surtout me souvenir que la raison pour laquelle il a fui, c'est surtout en raison de l'énorme sous-texte ultra gay, quoi. Ouais. Alors, il y avait ça, et il y avait aussi une espèce de truc super... Il y avait une espèce de renoncement au catholicisme, c'est-à-dire que Furious Paradise, ça raconte l'histoire de quoi, bon. Hulk Hogan, effectivement, c'est une personne illustre, c'est un catcheur, mais c'est pas que lui, parce qu'il joue son propre rôle dans le film. C'est ce qui l'embêtait par rapport à Super Nanny. Ah, oui. C'était ça raconte musicale. L'histoire de trois mecs qui se retrouvent au paradis, donc ils sont super contents d'être au paradis, et en fait, ils s'aperçoivent que c'est de la merde. Donc ils sont furieux. Et en slip. Donc ils foutent un bordel en plus. Et ils le chantent. T'imagines Hulk Hogan qui est pas content, qui arrive au paradis, quoi. Qui a des mecs en toge blanche et tout, ils sont super contents. Oui, Hulk Hogan et tout. Ça faisait longtemps qu'on vous attendait. Les mecs, ils mettent des doubles suplexes, des coups de coude et tout. Ça se passe super mal parce qu'il est super vénère. Le paradis qu'on lui a vendu, c'est de la merde. Et il est furieux. Je viens de dire, il est furieux. Donc il a qu'une hâte, c'est de s'en extraire, de partir ailleurs. Voilà, ça finit en espèce de battle royale dans le paradis. Ouais. Avec un petit côté, comment ça s'appelle,
Pasolini, je me souviens. Battle Royale meets Pasolini, il y avait un côté un peu dégueulasse. Ouais, ça, je pense que c'est le réalisateur qui a été convoqué sur l'affaire, qui avait une espèce de prétention autorisante un petit peu. Mmh. Avec tout le bien que je pense de Pasolini, lui n'y est pas arrivé. C'était un essai intéressant, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est son film d'après. C'est son film d'après, bien sûr. L'illustre Harlem Black Granny, qui là, du coup, ratisse et large, puisque c'était à la fois une espèce de tentative de remettre... sur la Blaxploitation. Mais de ressortir sur la Blaxploitation. Pour être un petit peu plus terre à terre, entre guillemets, c'est l'histoire d'une nana, d'une granny de Harlem. Qui a un espèce de regain de besoin sexuel comme ça et qui va mettre à l'amende des espèces de petits caïds de Harlem comme ça, elle les attrape, elle les baisse quoi. Et ça soit sur leur visage, je me rappelle ça, cette scène là. Oui. Et effectivement, il y a une scène où elle a un short de boxe taille et elle s'assoit sur le visage. C'est vrai. You like it, honey? You like it hard, eh? Autant dire. Échec au cinéma, carton en vidéoclub. Personne n'a envie d'avouer qu'il aime les gérontophiles. Personne n'a envie de le voir aller dans la salle. Quoi. Voilà. Je crois que Pam Grier elle-même a fait part de son admiration pour cette femme. Quoi. Alors moi j'ai entendu dire qu'il y avait un remake qu'elle allait jouer dedans. Il y a un projet de remake. Remake d'ailleurs qu'elle a nommé étrangement Crusader Dark. C'est ça le sous-texte. C'est gros tollé à l'époque. Les mecs choisissent Dark pour parler de la couleur. Ouais, c'est clair. Donc déjà, associer la couleur de peau à quelque chose d'un peu sinistre. Mais Bob Kane, encore vivant, il demande l'autorisation d'utiliser Batman. Il dit, il n'y a pas moyen, allez vous faire foutre avec vos films de Blaxploitation, je n'aime pas les gens de couleur. Et ben, dans ce cas, on va utiliser juste le mot Dark. Crusader. Tu vois, parce que le côté... Donc c'était Crusader Dark, un petit peu genre Black Scorpion de Roger Corman, un peu... Mais quid de la gérontophilie dans le... Il n'y en avait plus. Or, ce qui est très marrant, c'est que dans la production d'après, bon ça c'était un peu amateur, phase karaté, où là tout d'un coup ils se disent, bon, allez, on va recentrer le truc. C'est-à-dire que Dark Crusader a énervé beaucoup de monde. Donc il y a une espèce d'effet un peu miroir, bon, il a énervé beaucoup de monde, mais il a quand même marché. Parce que le premier avait drainé quand même pas mal de fans, ils étaient déçus, ils sont un peu énervés sur l'allusion dans le titre, mais le film n'était pas si mal que ça. Du coup, pour répondre à l'énervement de tous les spectateurs, les mecs se sont dit, attendez, on va faire un mea culpa, non, on va contre-attaquer. Et pour ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pousser un gros kiaï, tu vois, de karaté, quoi. Ah, les mecs sont partis en phase karaté, quoi. Alors, effectivement, on perd beaucoup des thèmes qui étaient dans les films d'origine, à savoir la gérontophilie, les caïds de Harlem, et on passe en phase karaté. C'était avec Jim Kelly, non? Alors, Jim Kelly... Déjà en fin de carrière. C'est difficile à dire. Les historiens du cinéma sont un petit peu... Enfin, savent pas vraiment si il a pris un pseudo. On le reconnaît, mais il est quand même pas mal grimé. Par contre, quelques coups de pied maladroits, quelques retournées hasardeux nous font croire effectivement qu'il y avait bien du Jim Kelly impliqué dans l'histoire. Ce qui nous amène au dernier film produit par la même équipe. On se dit, bon, on va encore tirer un peu sur la corde et on va, chant du cygne, Birthday Jackal. Elle n'a rien à voir, rien à voir, puisque du coup ils se disent, on va taper dans le slasher. On va taper dans le slasher et qu'est-ce qui a marché? Happy Birthday, on va reprendre Birthday. Un grand classique du cinéma d'espionnage, The Jackal, Birthday Jackal, truc déjà un peu bancal. Alors, voilà. Il y a ça, et il y a aussi une allusion, parce qu'en fait c'est ça le truc, hein, c'est que là on arrive à une époque où sort The Omen, la malédiction, où effectivement on sait assez rapidement, hein, c'est pas un spoil, que dans le film qui donne naissance à l'Antéchrist, c'est un jackal. Du coup, petit clin d'œil au succès du moment, on fait l'anniversaire du chacal. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de préquel non assumé, parce qu'on n'a pas les droits, etc. Et on se retrouve dans une espèce de célébration de l'avant-venue de l'Antéchrist. L'avant-venue, ça c'est bon ça. C'est pas mal quand même. Hein. Et c'est à cette époque que Steve Wonder compose pour eux la musique du générique de fin. Happy birthday to you. Ouais, c'est ça. Et personne ne saura à même de trouver la résonance super sinistre dans cette chanson fort joyeuse au demeurant. Et moi, j'ai même envie de dire, puisque c'est l'Antéchrist, personne ne saura amen. C'est formidable. C'est beau. Ah, ouais, ça pourrait être la conclusion. Hein,
à cette espèce de filmographie assez éclectique. Voilà. Et je vous engage à aller voir tous les films dont on parle, qui sont pas forcément tous faciles à trouver, mais il y a certains sites qui permettent vraiment de télécharger les obscurités. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que la lumière revient déjà. C'est que la lumière revient déjà et le spectacle est terminé. Et j'ai vu un vieux qui pleurait dans un coin. Son cinéma est fermé. Quand même. Voilà. Ouais, ça, les gens le disent pas. Voilà. Et ça, moi, je pense que j'ai envie de dire que c'était peut-être la dernière séance. Et tu vois d'ici, hein, le rideau sur l'écran est tombé. Voilà. Donc pas facile, quoi. Bye bye. Voilà. Bye bye. Et chocolat glacé, d'ailleurs on a fait que boire du putain d'alcool, dont des Mirabelles de Lorient, je sais pas quoi, là, de Los Angeles. Et on n'a pas bu de chocolat glacé, j'en suis très déçu. En tout cas, Disto Radio, si ça vous a pas plu, allez vous faire enculer. Et si ça vous a plu, allez vous faire enculer aussi, parce que ça peut être très bien quand c'est bien fait. Pas comme si c'était une punition non plus. Merde. Voilà. Merde. Car n'en déplaise Antoine Sidovitch, non, ça ne fait pas forcément mal. Antoine, c'est lui qui prend mal, ton problème. La muqueuse est une des régions les plus propres du corps à partir du moment où c'est bien nettoyé. Ouais, c'est vrai. Voilà. Merci, Jamy. Putain, mais c'est clair. Ça s'entendait pas, mais c'était tellement beau. En gros, c'est un peu les vérités de la palisse. À partir du moment où c'est nettoyé, c'est propre. Merci. C'est un petit peu ça que ça dirait. Non mais c'est énorme, c'est ça que ça veut dire. C'est quand même génial. J'adore ce truc. Bon, Disto Radio, premier du nom, est terminé. En espérant que... Ah non, mais vous n'êtes pas assez loin, là, Laurent. Bien sûr, Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec, qui est à 27 mètres du micro le plus proche? Qu'est-ce qu'il raconte, alors, ce mec? Je ne sais pas, moi. Pour moi, j'avais fait une conclusion très scientifique, et ouais, je pense que ça se passait de commentaires. Non, écoute, je suis assez d'accord. On va peut-être conclure là-dessus. On va reprendre ce que tu disais. La muqueuse est très propre, à partir du moment où elle est nettoyée. Voilà. Ça sera notre conclusion d'Histoire Radio, premier du nom, premier épisode. N'oubliez pas d'aller nettoyer votre muqueuse après avoir éteint votre lecteur audio. Voilà. Comme ça, on pourra bien la bière dedans. C'est bien censé emballer, mais on n'aime jamais avoir de surprise de Stacabi. Absolument. Stacabi. Stacabi. Stacabi, rappeur californien. Stacabi, t'as vu. Et bien, écoutez, comme dirait l'autre, à bientôt.